Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au studio. Comme tous les mercredis, on se retrouve à 18h30 pour parler tous ensemble de choses que nous intéressent en tant qu'étudiants en art. Donc si vous voulez chahuter, papoter, débattre et apprendre avec nous pour de choses comme sur l'art en général ou la pop culture en général, vous êtes tout simplement au bon endroit. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les mercredis soirs, on a un programme très 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 chargé. Bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes trois chroniqueurs habituels ainsi que mon régisseur favori et je vais vous les présenter tout de suite. La première, attention, ses parents l'ont appelée Ambre, mais on a tous décidé de l'appeler Amber, c'est Amber. Comment tu vas, Ambre ? Très bien. Heureuse d'être pour la première fois sur le plateau du studio ? Oui, carrément, ça fait bizarre d'être de ce côté de la caméra. Oui, mais tout à fait. C'est plaisant, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour nos téléspectateurs ? On n'est pas sur la télé, mais... Eh bien, moi, c'est Ambre ou Amber. Voilà. J'ai 20 ans et je suis en direction artistique. J'avais oublié que tu avais 20 ans. Quand voilà. Tu as dit 20 ans, ça m'a surpris. Oui, mais moi aussi, je me surprends toujours. Il faut un temps d'adaptation. Voilà. Tout à fait. Ma deuxième chroniqueuse, il faut savoir que son deuxième prénom, c'est Atlantique. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est bien évidemment Satine. Coucou. Tu vas bien, Satine? Ça va très bien. Écoute, ça balance des dossiers comme ça. Oui, dans le je suis d'accord. Tu pareil, est-ce que tu peux nous présenter, parce que je crois qu'on n'a jamais dit ta filière au final, Satine. Tout à fait. Alors, moi, je suis en filière direction artistique, comme Ambre, finalement. Comme nous tous. Voilà, exactement. Très bien. Ma troisième, mais pas des moindres, alors là, c'est une anecdote vraiment de compétition. Et il faut savoir qu'à 12 ans, elle a été championne de Loire, catégorie Benjamin, mais aux échecs, c'est bien évidemment Maë. Meilleure introduction. Bonsoir. Alors en fait, comme je savais que Rémi allait faire cette blague, il m'a demandé de ramener des preuves. Donc j'ai fait beaucoup d'échecs. Voilà, désolée pour le bruit des médailles. Très bien. Est-ce que tu vas bien, Maë? Ça va très très bien. Je suis très contente d'être de retour. Très bien. Moi, je sache que je suis très content aussi de te voir. Sachez que nous ne sommes pas que quatre. Nous sommes aussi, bien évidemment, avec notre régisseur. Il faut savoir qu'il a pleuré toute la semaine parce qu'il est en pleine semaine de partiel. C'est bien évidemment Julien. Bonsoir à tous, je rejoins la maison du content car moi aussi je suis très content. Super. Comment tu vas, Julien, globalement dans la vie? Honnêtement, ça va. Malgré ça les partiels? Oui, bah écoutez, je pleure un peu, on va pas parler des sujets difficiles, mais ouais. On est là pour passer du bon moment. Exactement, merci, c'est une superbe transition, on est là pour passer un bon moment tous ensemble et discuter de choses qui vont nous plaire. Donc bien tout de suite, je vais vous faire le... Comment on appelle ça? Le résumé? Le programme? Le sommaire. Le sommaire, merci beaucoup Julia. Tout à fait, on va partir sur le sommaire. Comme chaque début d'émission, nous allons passer par la reco des chroniqueurs. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce que c'est, donc restez avec nous, c'est super important. Nous commencerons par Maë, puis Satine, puis nous terminerons par Ambre, notre invitée. Nous enchaînerons avec la fameuse, la sublime, la magnifique roue. La roue. J'allais dire la roue, oui. Mais la roue des filières. Vous allez découvrir un nouveau métier avec nous, donc j'espère que ça vous plaît. Restez avec nous aussi pour ça. Nous enchaînerons avec le retour de Maï refait l'histoire. Ça faisait un moment que nous n'avons pas eu cette chronique, donc c'est le grand retour des petites anecdotes historiques de Maï. Et nous terminerons, comme d'habitude, par le petit jeu... Fun. Merci, on a fun. À chaque fois, il y a un temps de... Je crois qu'Ambre n'était pas prête. J'étais pas au courant. Tu n'as pas fait de voir, Ambre. C'est très grave. Je pensais que notre alchimie naturelle allait jouer le jeu. Très bien. Je vais vous c'était le mot déroulé qui me manquait. Voilà. Mais le résumé, ça marchait très bien aussi. Avant de commencer, sachez qu'il faut à tout prix suivre le compte Twitter. Rien à voir. On Twitch. A un compte Twitter. C'est parce que ça commence par la même lettre. Wow. Il faut suivre le compte Twitch d'IRT pour continuer à nous suivre et ne rien manquer. Et bien évidemment, sur Instagram, sur le compte IR Studio, IRTube et sur le compte tout simplement d'IRTube, notre école qui nous permet d'être là ce soir. Est-ce que tout le monde est prêt? Mais carrément, oui, c'est parti. Et en plus, je suis trop trop contente que Ambre soit avec nous sur le plateau actuellement, c'est trop bien. Bah, il faut savoir que nous sommes une troupe de petits copains qui ne nous sommes pas vus depuis un petit moment à cause du stage, donc c'est cool de pouvoir être réunis pour une émission. Il nous manque juste Laura, mais elle est derrière en coulisses, on lui fait des coucous de loin. Laura, est-ce que éventuellement tu pourrais nous faire un petit commentaire? Je ne peux pas nous voir. Est-ce que tu peux nous faire un petit bonjour? Laura n'a pas l'air très contente. Bonsoir. C'était le plus beau bonsoir qu'on a jamais pu avoir sur le plateau, merci beaucoup. Et bien, si tout le monde est prêt, nous allons tout de suite commencer par les recos des chroniqueurs.
Les recos des chroniqueurs, qu'est-ce que c'est? Bon, au bout d'un moment, si vous commencez à nous suivre, vous savez ce que c'est. Juste, j'en profite, je regarde un peu les commentaires, j'ai pas pensé à le faire juste avant. J'espère que tout le monde va bien aussi depuis chez vous, dans votre lit, votre canapé, votre chaise, peu importe. J'espère que vous mangez ou vous ne mangez pas. J'espère que c'est très bon pour vous. Non, mais très bien, très content de revoir Ambre on stage de Prod Fiction. C'est pour faire les filles en force, bien évidemment, toujours de plus en plus présentes, il le faut. Le son est bon, ça a l'air pas mal. Et puis, y a du monde, c'est cool. Bah, continuez à nous envoyer des messages tout le long sur le chat. Nous vous y répondrons si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir. N'hésitez pas. La reco des chroniqueurs. Enfin, j'y viens, désolé. Qu'est-ce que c'est? J'explique à chaque fois malgré tout pour ceux qui ne savent pas. C'est le moment des chroniqueurs pour eux de vous recommander quelque chose qu'ils considèrent recommandable tout simplement. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être très bien un film, une musique, un festival. Ça peut être un jeu de vidéo, un jeu de société, une recette, une série, une analyse de publicité. Tout ce que vous voulez tant que vous le recommandez, que vous trouvez ça intéressant et que les chroniqueurs considèrent qu'ils veulent vous le transmettre. Donc si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer avec Maë. Bonsoir. Franchement, je viens d'apprendre il y a une seconde que c'est moi qui commençais. Surprise. Non, mais c'est pas grave. Alors moi, ce soir, je vais vous présenter une application que vous connaissez sûrement tous, parce que vous avez sûrement tous vu passer ces pubs insupportables sur YouTube. Je vais vous parler de Webtoon. Voilà. Je sais, là, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Tu ne connais pas Webtoon, non? Enfin, de nom, mais je suis jamais allée me balader sur... Mais c'est une plateforme, c'est ainsi? Bah, elle va nous expliquer, oui. Mais oui, j'attends expliquer. De savoir. Ouais, bah. Alors, Webtoon, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est sortie... en réalité, elle est sortie, l'application est sortie en 2014 dans d'autres pays, mais en France uniquement en 2019. Et en fait, c'est une plateforme qui a pour but de projeter les dessinateurs et les auteurs talentueux encore inconnus au bataillon. Et en fait, n'importe qui peut aller poster un webtoon. Et en fait, il y a des très très bons dessinateurs qui font de la BD, du manga, des histoires illustrées, du roman. Et il y a plein de styles différents. C'est-à-dire qu'on peut être autant sur un dessin vraiment type manga, des aplats de couleurs, ou vraiment sur de la peinture digitale. Enfin, vraiment, c'est très 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 vaste. Et pareil, il y a plein de catégories, horreur, jeux vidéo. Enfin, en fait, il y a plein de sujets. Limite, il y a des webtoons qui parlent d'ornithorynque. Enfin, vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a plein de gens qui aiment pas trop cette plateforme, ou alors qui s'y sont pas trop intéressés parce que il y a cette campagne de pub, on ne sait pas pourquoi, qui a été réalisée par je ne sais qui. On ne veut pas savoir qui. En fait, monte des comment expliquer ça? En fait, comme c'est des sortes de BD ou de manga, il y a plusieurs cases. Et en fait, ils montent des cases prises un peu partout dans le manga, dans un ordre totalement aléatoire, avec une petite musique en fond. Ils mettent des phrases et ils créent des scénarios qui n'ont rien à voir avec les livres. Voilà. Et des fois, tu vois le teaser du livre et tu dis mais je l'ai lu, ça raconte pas ça. Très bien. Et du coup c'est pour ça que c'est beaucoup décrié, alors qu'en fait il y a de très très bons dessinateurs, il y a vraiment de très bons auteurs à aller découvrir. En plus il y a vraiment des centaines de livres, c'est gratuit. D'accord. Il y a une publication une fois par semaine, toujours à la même heure pour chaque livre, donc c'est-à-dire que si t'as une petite collection comme moi, t'en as un par jour, c'est super cool. Et c'est vraiment un petit format qui peut être drôle, qui peut être triste et qui est super sympa en fait à partager avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, ils font des statistiques un peu comme Spotify qui t'envoie à la fin combien d'heures t'as passé dessus. Moi, en 2 ans, ils m'ont dit que j'avais passé l'équivalent de 2 mois, environ 15 minutes en moyenne par jour sur Webtoon. Depuis 2 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ça permet de lire et c'est vraiment très cool. Et je vais vous montrer un des fameux teasers dont je parlais. Mais lui, c'est un qui est bien fait. Il est vrai. Là, c'est un bon teaser. Bon, d'un point de vue direction artistique, on peut en discuter, mais il est vraiment globalement bien fait, puisque là, il raconte réellement l'histoire. Ah oui, parce que moi, tu m'en avais montré d'autres. Je ne sais pas si tu avais toujours l'intention de les montrer ou pas. Non, mais c'est pas vrai autres. Que celui-ci, franchement, ça va. Parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres où c'est assez perturbant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et quand on ne connaît pas l'application ou quoi que ce soit, on se demande un peu de quoi il s'agit. Okay. Est-ce qu'ils ont le son en même temps? Est-ce qu'ils nous entendent ou c'est juste le temps de leur présenter? D'accord, très bien. Donc ça leur permet d'avoir des images en même temps que tu parles. Et il faut savoir que ce webtoon-là particulièrement, il raconte la mythologie et notamment la rencontre de Perséphone et Hadès. Et les images sont incroyables et c'est le plus connu de la plateforme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, enfin, limite, j'ai entendu, j'ai l'impression, parler de la plateforme, notamment via ce webtoon-là. Ouais. C'est vrai que j'ai vu pas mal passer partout et que je trouve le style graphique d'ailleurs très intéressant aussi, la manière dont les couleurs sont utilisées, etc. Je trouve que c'est vrai que... Et toi, tu disais par exemple tout à l'heure que tu connaissais de nom, mais c'est quelque chose que tu n'avais jamais... Je savais que ça avait un rapport un peu avec la BD ou
avoir des cases, voilà. Ouais. Mais est-ce que sur l'application, c'est animé ou c'est juste vraiment des cases? Non, c'est pas animé pour le coup. Donc c'est là, vraiment. Ils ont vraiment fait. Ouais, voilà, ils ont vraiment pris le temps de faire une animation. Après, l'avantage, je pense, c'est que comme c'est, les chapitres, c'est des formats relativement courts. Les gens qui n'aiment pas lire ou alors qui ont vraiment besoin de beaucoup de dessins pour apprécier une lecture, et ben en fait c'est une super application pour eux parce que ça leur permet de lire un peu au quotidien. Ils peuvent choisir quel style ils veulent, quel style même de dessin en fait, parce que ce que je disais, il y a des centaines d'auteurs et de dessinateurs, donc en fait tu choisis vraiment ce qui te convient le mieux. Et non, c'est vraiment très très cool. Et en plus c'est une appli qui prend pas trop de place, voilà, je place ça, et qui est gratuite contrairement à beaucoup. Il y a pas de pub dessus. D'accord. Tu ne prends pas une pub entre deux chapitres, ce qui est insupportable. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Ouais. Effectivement, bah moi je connais Webtoon à cause de ces horribles pubs qui sont là, qui racontent l'histoire. On a juste deux secondes de texte où c'est quelqu'un qui est là en mode ah, est-ce qu'elle va sortir avec son voisin, on ne sait pas. Et d'un coup la pub s'arrête et propose d'aller voir Webtoon. Vraiment les pubs en elles-mêmes sont pas ouf. Mais effectivement, je sais que toi tu lis beaucoup de Webtoon du coup qui sont sur cette application là. Et au final, je pense que c'est juste une grosse concentration et une possibilité aux personnes qui peuvent pas trembler 10 000 livres sur eux de pouvoir avoir toujours un moyen, quand ils le veulent, de lire des livres qui sont des livres illustrés, des BD, des mangas, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment agréable quand il y a ce genre de plateforme. Et si en plus tu me dis qu'il n'y a pas de publicité, non. C'est que bénéf, on va dire. En fait, disons que tu peux payer, parce qu'en fait, les auteurs sur Webtoon, ils ont un rythme de publication qui est très strict, donc tu es sûr d'avoir ton chapitre chaque semaine. Et en fait, ils postent des chapitres d'avance que tu peux pas voir, puisqu'ils se débloquent chaque semaine. Mais la seule raison pour laquelle tu peux payer, c'est pour avoir un ou deux chapitres d'avance. Voilà. Okay. Mais il n'y a pas de pub, il n'y a pas globalement d'options payantes autres. Et maintenant, en plus, les meilleurs auteurs de la plateforme, ils commencent à être publiés dans des vraies maisons d'édition. Et, et du coup, il y a plusieurs webtoons là, qui sont sortis en manga, en BD, vraiment en publication papier pour les amoureux du papier qui ne veulent pas passer au numérique. Très bien. Moi, j'aurais une question. Parce que je vais dire, justement, alors, je te vois depuis tant de temps lire tant de webtoons, etc. Il se trouve que moi, j'ai l'application sur ma tablette depuis... Je ne compte plus les mois. Vraiment. Ça fait un certain temps. Et bon, je ne me suis pas plus que ça mise à la lecture depuis le temps. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. Je sais que j'ai un peu de mal, c'est ça, à me mettre à lire. Et donc, si tu devais conseiller, et peut-être que je pense que ça concernera d'autres personnes que moi ici, une histoire peut-être pour commencer, un webtoon qui te semble assez accessible pour un peu s'intéresser à la plateforme et commencer. Que conseilles-tu? Alors, par exemple, en plus, c'est par exemple Arbre qui n'a pas l'application. Oui, qu'est-ce que tu conseillerais à Arbre? Franchement, je crois que j'ai quelque chose comme 35 livres dans ma bibliothèque. Vraiment, je lis énormément. Lisez-les tous. Tous, oui, je les conseille tous, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de styles différents. Après, je pense que celui dont on vient montrer une bande vidéo, Tradition d'Olympus, en fait, c'est un peu un mix de tout, parce qu'en en fait, ils l'ont tourné comme si c'était vraiment une romance. En termes de publicité, alors qu'en fait, ça raconte vraiment surtout l'histoire de la mythologie, mais comme si ça se passait dans le monde moderne. Et les dessins sont incroyables. En fait, ils ont un jeu sur les couleurs qui est vraiment, je pense, très rare sur Webtoon, qui est vraiment exceptionnel. Donc, je conseillerais celui-ci pour commencer parce que je pense qu'il peut aller à un maximum de gens, qu'il est facile à lire. Et puis, qu'en plus, comme c'est la mythologie, tu retrouves les anecdotes, ça te fait rire, c'est transposé sur une version futuriste. Donc, tu sais que quand il est censé allumer le soleil en char, en fait, il y va en voiture. Enfin, c'est assez marrant, tu vois. Et je pense que c'est assez simple pour commencer. Sinon, ils ont de très bons webtoons d'horreur. Ah. Et vraiment. La passion secrète de Maëlle, les webtoons d'horreur. Ah non, mais c'est vraiment, ils sont très très bons. Donc voilà, petite recommandation. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Maë. De rien. Je pense que peut-être s'il y a des personnes dans le chat, je ne sais pas si vous, dites-nous depuis chez vous si vous connaissez l'application Webtoon, si vous en lisez certains, lesquels sont vos préférés. Ça nous ferait plaisir de savoir un peu ce que vous lisez. Au contraire, ça nous permettra un peu plus de vous connaître. Voir. Et effectivement, peut-être que je vais télécharger Webtoon si tu me dis qu'il n'y a pas de pub et que ce n'est pas trop lourd parce qu'il n'y a plus de place sur nos téléphones à force de prendre des photos de tout, n'importe quoi tout le temps pendant notre stage. Mais effectivement, merci beaucoup, Maë. C'était très intéressant et j'espère que ça intéressait d'autres. Satine, je sais que c'est à toi. Oui, c'est mon tour. C'est parti, on est bon. Est-ce que tout est prêt? Allons-y, très bien. Alors, je suis très contente en plus de faire cette recommandation. Attention, puisque ça fait plusieurs semaines que j'y pensais, je ne savais pas trop quand j'allais pouvoir le faire. Et là, il se trouve que la table est parfaite pour faire ce genre de recommandation. Car il est grand temps de parler dans cette émission de comédie musicale. Car il faut savoir, tout à fait, il faut savoir qu'on a une petite passion comédie musicale. En fait, chaque semaine, une passion pour moi, personnellement, quand j'arrive entre l'Eurovision et ça. Non, mais voilà. Et j'ai donc décidé de faire ça à travers une œuvre qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça.
Et que j'ai énormément aimé. Que j'ai aussi énormément aimé. Je suis très contente d'ailleurs que j'ai vu que tu allais en parler aujourd'hui. J'ai tellement pleuré. Non mais là, la passion comédie musicale, là, cette table, c'est terrible. Je pense qu'on révélera notre secret à la fin de cette recommandation, qui est en réalité que nous sommes le club comédie musicale d'Arthur. Il fallait pas le dire, là, spoiler, là, non, c'est faux. mais non, vraiment, tellement pleuré, il était très très beau. Je vais donc parler du film Tic Tic Boom, qui a été réalisé par Lin-Manuel Miranda. Le grand, le vrai, le seul, l'unique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être que vous avez entendu parler de la comédie musicale Hamilton. Hamilton, encore une autre passion, faut tout pas qu'on fait. Se lance sur ce sujet. Qui a vraiment eu un énorme succès à Broadway et puis à travers le monde. En fait, on peut la voir sur Disney+, etc. Donc, il est connu pour ça, mais aussi pour les chansons qu'il écrit, notamment pour Disney, dans Encanto, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait les musiques d'Encanto, voilà, il a aussi participé à certaines musiques de Vaiana. Voilà, Moana, donc il en a fait beaucoup, donc je pense que vous le connaissez peut-être un peu, et il a donc réalisé ce film qui raconte la vie de Jonathan Larson, qui lui-même écrivait des comédies musicales. C'est un peu comédie musicale Inception. Tout à fait. Mais exactement, c'est un peu ça. Alors, ouais. Je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur, mais tu nous as préparé, sur Allociné. Allociné. Attention. Allociné. Non, vous allez voir, c'est assez rapide, mais en gros, ça permet de resituer un peu quand même ce qui se passe dans le film. Donc... À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Donc ouais, c'est très simple. C'est très simple. Mais je trouve que ça représente assez bien en fait ça représente c'est, très ouais, bien. Tout le film où il y a vraiment le personnage principal qui a une quête de faire quelque chose de grand. On voit qu'il travaille depuis des années sur justement le fait d'écrire une comédie musicale et on va un peu le suivre là-dedans dans ses difficultés, etc. Et j'ai vraiment adoré les musiques. On peut parler des heures, je pense, des musiques, surtout que on a vu le film tous les trois, Maë, Satine et moi. Ambre, toi, je crois que tu ne connais pas du tout ce film, mais une soirée spéciale pour te le montrer risque d'arriver incessamment tout sous peu. Fait. Mais c'est vraiment un super film parce que ce qui est intéressant dans les musiques, vu que c'est totalement le style justement de Jonathan Larson, qui la personne dont on raconte l'histoire dans le film, qui a un style justement de comédie musicale qui est très particulier parce que c'est un mélange de comédie musicale mais très rock. Et en plus, c'est surtout posé à une époque, il y a beaucoup de comédies musicales qui sont très colorées, très pastelles, tout le monde danse, on ne sait pas pourquoi. On retrouve ça, mais pas dans un cadre beaucoup trop idyllique, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais. On est sur quelque chose justement de très vrai sur sa vie à lui, qui était au final très compliqué, avec très peu d'argent, travailler à New York, etc. Et c'est au final super intéressant et c'est vraiment, je pense, une comédie musicale... incroyable. Ouais, sachant que d'un point de vue cinématographique, je trouve ça assez intéressant aussi dans la mesure où en fait, alors c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Si jamais vous trouvez que je l'explique pas comme n'hésitez pas à me reprendre. Mais en gros, Tic Tic Boom, à la base, c'était un spectacle musical qu'a fait justement Jonathan Larson. Et là, ce film, en fait, il se base sur ce spectacle pour... Enfin, c'est une sorte d'adaptation en fait où on va retrouver à la fois des extraits de scènes du spectacle qui ont été reconstitués et des passages de vraie vie comment expliquer, c'est très compliqué. C'est compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est comme si on regardait un film qui est une biographie entrecoupée de scènes du spectacle où Jonathan Larson raconte cette vie-là. Je raconte justement, ouais. Voilà, c'est totalement... exactement. C'est peut-être un peu compliqué, dit comme ça. En fait, c'est très complexe à visualiser, mais en fait, quand on voit le film, on comprend. C'est bien fait. Enfin, en fait, c'est très clair quand on voit le film. C'est peut-être un peu dur à expliquer, mais ouais, comédie musicalception, c'était. Ah, c'est exactement ça. Voilà, c'est une comédie musicale dans une comédie musicale. Est-ce que ce genre de petite explication te donne, enfin t'éclaircisse sur ce film un peu? Alors, vous m'en aviez déjà parlé, je pense. C'est vrai? Oui. J'ai oublié. Et dans ma tête, ça faisait comme ça. C'était oula, qu'est-ce qui se passe? Mise en abîme de waouh. Il y a plein de, j'ai l'impression qu'il y a trois espaces-temps, on va dire, en même temps. C'est voilà. Un peu compliqué. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir que je le regarde pour comprendre mieux, mais non, ça a l'air fort sympathique. En plus, je vois dans les commentaires des messages comme « Le film est très très cool », c'est vrai. Oui. Il y a des gens qui protestent. Il y a un « mouais bof ». Un « mouais bof ». Nous t'avons vu. Où est-ce qu'il y a un « mouais bof » par rapport à ce film? Jérémy, c'est ça ne va pas. À chaque fois dans les commentaires, tu t'incrustes « Jérém Hart, on te voit » et tu envoies plein de messages contradictoires. Bloquez-le, on le cancelle du chat. Et d'ailleurs, j'aimerais répondre à un message que j'ai vu disant que tu allais voler mon pull, Rémi. Et ben, je dois faire un aveu, c'est... déjà un vol de base, c'est pas... C'est vrai que c'est le pull de Julien, pourquoi, avoue-le, pourquoi tu as un pull de Julien? Je me suis tachée avant l'émission, voilà, et Julien est notre voilà, est un sauveur. Est-ce qu'il a un commentaire, Julien?
Moi, je répare tout, moi, ici, donc voilà. Couturier à ses heures perdues. Je crois qu'on t'a coupé dans ta chronique. J'allais juste dire aussi peut-être que là, Jonathan Larson, c'est pareil, le nom ne dit pas grand-chose à ceux surtout qui ne sont pas forcément passionnés à la base de comédie musicale ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est lui qui a créé la comédie musicale Rent, qui est vraiment... Un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas vu pour le coup, je ne peux pas le dire. Mais qui est vraiment une référence à Broadway, qui a eu un énorme succès, malheureusement après sa mort, cependant. Et pourtant, parce qu'il est mort en fait assez jeune. Il faut savoir que Jonathan Larson est mort la veille de la première date du spectacle Rent qui va le rendre extrêmement connu et qui aura été le succès de sa vie. Il ne l'aura même pas vécu. Exactement. Parce qu'il est mort la veille de ce spectacle-là à 35 ans seulement. Et c'est malheureux, simplement. Bah, c'est sûr que l'ambiance sur scène devait être... Je pense que si ton metteur en scène meurt la veille du spectacle, tu donnes tout le jour J. Vraiment, ça doit être très dur, en fait, de se lever le matin, d'aller à la première et te dire... Mais j'ai lu rapidement des choses, et c'est vrai que ça devait être assez pesant comme ambiance, d'une certaine façon. Mais en même temps, c'était un peu directement comme un hommage, en fait, à son créateur. Donc, ça devait être un moment assez fort. Ouais. Et peut-être d'autres informations, j'allais dire, par rapport au casting, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. En gros, l'acteur principal, celui qui interprète le rôle justement de Jonathan Larson, il s'agit de Andrew Garfield, a notamment été connu pour plusieurs rôles, mais par exemple le rôle de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man. Et j'allais dire aussi que je ne savais absolument pas qui chantait, et pourtant, je vous conseille d'écouter parce que vraiment, c'est... vraiment bien. Il chante vraiment très bien en vrai. Ces acteurs qui sont polyvalents, ça énerve. Je n'avais jamais vu chanter dans autre chose avant. Après, c'est peut-être juste moi, mais franchement, surprise, mais agréablement en gros. Il y a également Vanessa. Alors, est-ce que je vais réussir à prononcer son nom de famille ? À chaque fois, c'est une galère. Alors, il s'agit de Vanessa Hudgens, comme ça. Je ne sais pas. Je crois que le D est avant le G dans son nom de famille. Très connu aussi parce que c'est la fille de High School Musical. Exactement. Je ne sais pas si ça te permet de voir un peu tu vois bien High School Musical. Et elle joue dans ce film-là. Bon, après, maintenant, elle chante extrêmement bien dans ce film. D'ailleurs, c'est très émouvant. En tout cas, le cast, c'est incroyable. Et aussi, je ne sais pas si tu allais en venir, Satine, mais ce qui est très impressionnant dans ce film, c'est à quel point ils ont réussi à reproduire quasiment à l'identique la vie de Jonathan Larson, les lieux et autres. Je ne sais pas si tu allais en parler. Je dois avoir une vidéo qui montre un peu un comparatif, mais c'est de vidéos, de vieilles archives du spectacle où Jonathan Larson joue ce spectacle-là. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup en fait, d'archives, et ça, c'est vraiment la seule vidéo qu'on trouve sur Internet, qui fait un comparatif avec les scènes du film où c'est donc Andrew Garfield qui joue ça, qu'on peut voir juste ici. Donc ça nous permet de voir le vrai spectacle qu'il était avec le vrai Jonathan Larson, et après les versions du film. Bon là, ils font un panneau de ouf parce que c'est un film, mais effectivement, ça permet de voir que les lieux et chaque scène au final qu'on voit dans le film sont vrais. Quand on voit à la fin au générique, on retrouve d'autres archives quand il est filmé à son lieu de travail. J'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas trouvé. Ouais, c'est plus compliqué à trouver. Mais par exemple, quand il travaille dans le sorte de café, c'est une sorte de diner. Il travaille dans un petit diner. Quand on regarde les archives, en fait, c'est vraiment été reproduit à l'identique. Son appartement aussi, ils l'ont reproduit à l'identique. Enfin, c'est tellement poussé à l'extrême cette idée de vouloir reproduire la véritable histoire de ce personnage-là. Ça te pousse dans une réalité. Et c'est si bien fait que c'est vraiment impressionnant au final. T'es vraiment dedans et que c'est... Et en plus, t'allais dire un truc sur peut-être les comparaisons. J'allais juste dire qu'en vrai, ils ont réussi à reproduire, un stade qui est très poussé. C'est-à-dire que, je sais pas qui est le directeur artistique qui a travaillé sur Tiki Boo, mais il a très très bien fait son travail parce qu'en termes de reproduction, ils sont vraiment allés dans les détails, même en termes de couleurs. En fait, c'est des images récentes, mais tu pourrais croire qu'elles ont... Enfin, tu sais, il y a une petite ambiance quand même. Ouais. On retrouve vraiment l'atmosphère de l'époque des années 90, en fait. Ouais, c'est vraiment trop cool. Je vois dans les commentaires, ça nous envoie des messages comme « ça ne vaut pas la future lettre d'Aiden ». Est-ce que les filles, vous pouvez expliquer 13 secondes parce que l'émission sert un peu à ça aussi, mettre en avant les projets de nos étudiants. Et il se trouve que Maë, Satine, ici présente, et ainsi que Ambre, ont un très, 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 très gros projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement ? J'allais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai vu mon prénom écrit ainsi que la lettre d'Aiden. Alors, dans mon prénom, il y a un H et dans la lettre d'Aiden aussi. Où sont passés les H. C'est un affront. C'est inacceptable. La lettre d'Eden, c'est un projet qu'on a avec Satine depuis qu'on a 16 ans, depuis qu'on est au lycée. Une comédie musicale qu'on a écrite, qu'on finance nous-mêmes, qu'on produit aussi.
Et oui, et on devait... Non, mais vous inquiétez pas, vous excusez pas dans le chat. et en fait, il se trouve qu'on va... enfin, qu'on a déjà joué des dates, qu'il y en a une qui a été annulée à cause du Covid. Mince. Et en fait, cette année, on revient avec deux dates, les 30 juin et 1er juillet 2022. Dans le 3e arrondissement, l'espace Elsa Triolet. Voilà. C'est un long projet que l'on porte. Après, je pense que peut-être si on a le droit de mettre en avant des projets sur le compte Instagram du coup studio et slash, enfin, tiré du 8 et Artsup, vous pourrez certainement trouver ce genre d'informations. Ça serait intéressant, je pense. Et effectivement, c'est un gros projet sur lequel les filles travaillent de près plus que deux ans, limite, dont Ambre est le premier rôle féminin. Je trouve que c'est important de le rappeler. Et dont Rémi fait partie aussi. Également. J'ai un petit rôle. Mais et c'est un projet qu'on porte tous à cœur et parce qu'on est des fanatiques de comédie musicale. Et puis, point barre. Et il faut savoir que Yartup nous aide énormément dans notre projet. Donc, merci, parce Yartup. Que voilà, c'est ça, le BDE nous finance, Yartup nous prête des salles, nous aide pour la com. Enfin, vraiment. Bah, le projet existe un peu grâce à l'école, hein, on va se mentir. Voilà. C'était la petite page publicité. Émotion aussi. Merci beaucoup. Bah, merci pour nous avoir parlé de ce film, Satine. Mais merci à vous. Beaucoup. Oui. Après, j'adore en parler. Dans est-ce qu'on ne regarderait pas après avec Ambre, je pense que c'est parti. Allez, mais si, il faut. De toute manière, c'est ce qui va se passer. Hein. Tu vas être obligé. Tu vas recevoir une lettre par la poste avec caché en cire, réunion de comédie musicale. J'attends la lettre. Hein. Tu attendras la lettre. Ouais. Et pas de souci. Et puis, on regardera ça tous ensemble. Et tu pourras revenir donner ton avis un jour dans l'émission. Merveilleux. Et ben, très bien. Merci beaucoup, Satine. On va enchaîner avec toi. Ambre, est-ce que tu es prête pour ta toute première recommandation? Je suis prête. Eh bien, c'est à toi. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, je vais vous parler de comédie musicale. Oui. Toujours plus de comédie musicale. Non, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais moi, ma recommandation, ça va être sur le gospel. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler déjà de gospel. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce que le gospel? Alors, il faut savoir que le gospel, ça vient du vieil anglais « God spell ». Ça veut dire évangile, parole de Dieu. En gros, bah, au départ, c'est très religieux. En fait, ça vient des esclaves en Amérique. Donc, les esclaves africains qui ont été amenés en Amérique, qui chantaient dans les chants. En fait, c'était une sorte de libération, de prière. Ça s'appelait... C'était une sorte de chant de travail pour les... Voilà, c'était une sorte de divertissement. Ils s'occupaient comme ça. Et en fait, quand ils ont... Une fois qu'il y a eu l'émancipation de l'esclavage, donc c'était au XVIIe siècle, donc c'est à la création du gospel pour le coup. En fait, ça s'est diffusé dans toute l'Amérique et du coup, c'est de là que vient le gospel. Donc je crois que Julien, on a une photo, ouais, on a celle-ci. Donc ça, c'est plutôt moderne. Est-ce que y en... ah, non, il y en a pas en noir et blanc, je crois pas. Ouais, non, mais très bien. Il y en a pas. Ok, donc voilà. Au moins, on a des images. Je pense qu'on peut juste mettre en noir et blanc et ça fera le même effet. voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc, l'idée du gospel, c'est on chante en robe avec une magnifique écharpe. Voilà. Tout à fait. Je suis un peu déçue. Parce que pour être allée à beaucoup de concerts de Ambre, je m'attendais à avoir une petite photo de toi en train de chanter, Poppé. Est-ce que Ambre fait du gospel jour, dans une chorale arrivera. Est-ce qu'on peut parler des écharpes lumineuses du concert de la dernière fois? Oui, parce que la tête d'Ambre a innové. Je n'étais pas à ce concert, je ne savais pas que les écharpes étaient lumineuses. C'est désastreux. Tu as raté. Et bah, j'ai raté un gros concert. C'est génial, c'est pas désastreux, c'est incroyable. Mais moi, c'est désastreux que je n'ai pas pu le voir. J'ai tapé mon micro, pardon. Mais du coup, très déçu, là, où sont les photos d'Ambre? Un jour, elles arriveront. Un jour. Peut-être, ou pas. Et pourquoi tu recommander ça au final, parce qu'après je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas tout le monde, surtout à notre âge, qui regarde. Oui, c'est qui ça. Donc, alors il faut savoir que en fait le gospel est arrivé en France assez tard. Il s'est arrivé en 1945 avec la Seconde Guerre mondiale, avec le débarquement des alliés américains. Okay. Et donc c'est à ce moment-là que ça se diffuse un petit peu, pas tant que ça pour le coup, mais en France. Et après ça sera ouvert au grand public vraiment avec justement la comédie musicale Sister Act. La grandiose Whoopi Goldberg. Donc elle était voilà, elle est connue par ce film là et donc c'est un chef-d'œuvre, c'est un film culte. J'espère que tout le monde connaît. Sinon ma recommandation c'est aussi d'aller voir ce film si c'est pas déjà fait. Voilà. Mais voilà, il se trouve donc ce film si, pour les gens qui ne connaissent les pas les incultes au final. Voilà, exactement. Il y a des cris à l'extérieur, ça nous a fait peur, pardon. Donc ce film, ça raconte l'histoire donc, de Whoopi Goldberg qui devient sœur catholique dans un couvent et qui trouve ça ennuyant.
Et elle va ramener justement le dynamisme et montrer que, bah, en fait, la religion, ça peut aussi être fun, on va dire, et très dynamique pour le coup, grâce au gospel. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Tempos et qui a ouvert, en fait, ça fait plus de 2 ans, moi, que je suis là-dedans, mais ça existe depuis 3-4 ans. C'est la soirée épisode spéciale publicité, ce soir. Voilà. Non, mais je vais en parler rapidement. Non, mais, après, bien sûr, au contraire, voilà. Fais-le, c'est l'intérêt de l'émission. Mais en tout cas, c'est l'occasion. Ouais, c'est ça. Mais l'association, en fait, fait chanter, enfin, a ouvert plusieurs chorales gospel sur Lyon. Et en fait, je trouvais important, on va dire, d'en parler à pas mal de monde, parce que pour le coup, on a beaucoup cette idée de traditionnel, religieux, alors que bah, c'est plus du tout ça. En fait, c'est juste, ça permet d'exprimer ce que tu as envie de faire et de te défouler. Enfin, c'est une sorte d'activité, on va dire, où c'est une sorte d'échange interculturel. Parce que, alors oui, on va chanter dans les églises, mais on peut aussi chanter dans les marchés, sur la place publique, enfin, n'importe. En fait, pour ça, avoir déjà assisté à des concerts d'ambre, voilà, c'est un défoulement. Extraordinaire qu'on soit qu'on ait une religion, nous, après, c'est pas le débat ici, peu importe. C'est vraiment que je pense que ça peut être compris par n'importe quel type de personne, c'est au final. Et je sais que c'est au final, quand on vous voit tous chanter, c'est super agréable, c'est super. Et on comprend cet élan de fun et au final de lâcher prise et de juste, on écoute le son de la musique et on va là-dedans et c'est super impressionnant. Nous, on s'amuse sur scène, mais pour le coup, en fait, le but, c'est d'entraîner le public. Enfin, pour le coup, c'est très participatif. En fait, l'idée, c'est juste de donner ou même de redonner, parce que bon, là, après la période, on va pas en parler, mais voilà, de redonner le sourire, en fait, aux gens qui viennent nous voir. Enfin, pour le coup, moi, je le vois vraiment comme ça, et ça fait vraiment. Enfin, nous, on a eu plein de retours super positifs sur, mais c'est génial. Enfin, ça m'a sauvé, on va dire, de une sorte de dépression. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui redonne le sourire aux gens. En plus, c'est ça le plus beau, quoi. Enfin... En plus, même dans le public, parce que justement, on assiste à ce concert-là, c'est hyper communicatif. Puis on est vraiment invité à participer. On claque des doigts, on tape des mains, et puis en fait, à la fin, t'as envie de monter sur scène et de te balancer comme ça tout le long du spectacle. C'est parfait. Voilà, donc ma recommandation, c'était juste essayer de vous ouvrir à quelconque du gospel ou autre chose, mais quelconque style musical ou autre qui pourrait permettre de vous redonner, de vous donner une joie de vivre ou voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est super pour nos j'allais dire téléspectateurs, on n'est pas à la télé. Peut-être un jour. Je l'ai contaminé. Studio pareil. C'est faux. Mais ou toute autre chaîne télé. On va penser que je préfère TF1 à toute autre chaîne télé. C'est n'importe quoi. Je pense qu'aucune chaîne télé ne va se plaindre de ce commentaire. Ne t'inquiète pas, Rémi. Mais si, ils nous regardent tous, là. On est combien, là ? Il faut savoir que vous êtes actuellement. Vous êtes 28 000. C'est gigantesque. C'est faux, vous êtes 28. Je suis sûr qu'il y a plein d'espionnage industriel de la part de la télévision Ou même des autres écoles d'art. Bellecour, Condé. Non, c'est le mec. Mais tout à fait. En plus, je vois que dans les commentaires, on nous envoie des messages magnifiques, ce film. Ici aussi, j'imagine que c'est l'idée, encore une fois, de danser et chanter tous ensemble. Donc, c'est magnifique. Et puis, merci beaucoup, Ambre, pour ta toute première recommandation. Mais de rien. Ça fait des checks. Oui. Elle est plus proche de moi. Comment ? J'ai pas fait ça. Ah ouais, non, mais il y a du favoritisme sur le mail. Il faut qu'on fasse des checks aussi. Allez, c'est parti. C'est sur ce check fabuleux que nous allons tout de suite. Tu avais un commentaire. Non, mais Julien, je t'en prie. Non, mais je contrôle plus rien, moi, ici, donc... Ah, Julien est en train de quitter le studio. Au revoir, c'est faux. Attention, Rémi, il y a ton papa qui demande où est le coup fait à la perceuse dans le décor. Alors, on n'a pas parlé, en plus, au début. Non, c'est vrai que les personnes dans le chat ne le savent pas, à part mon papa, ici. Bonsoir, papa. On a quand même posté nos travaux sur Instagram. J'ai appelé mon papa à 14h30, je lui ai réveillé de sa sieste, le pauvre, parce que j'avais une perceuse dans les mains, je suis allé la récupérer pour essayer de cacher le câble du néon. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, on essaie d'améliorer le décor de jour c'est en jour. Réussite. Et de d'émission en émission, et on ne voit plus le câble, parce que j'ai percé un petit trou pour pouvoir passer le câble. Mais du coup, face à la perceuse, et je pense que ça se voit, j'ai vraiment une dégaine de bricoleur. j'ai été obligé d'appeler mon papa pour lui dire « Papa, comment on fait ?» Parce que j'arrivais pas à changer l'embout. Enfin bref. En tout cas, merci papa. Et grâce à toi, nous n'avons plus de câbles dans le champ. C'est fantastique. Merci. Il y a des tutos bricolage sur notre compte Instagram. Oui. Suivez la chaîne de mon père sur YouTube pour toutes questions sur le bricolage. C'est faux. Il n'en a pas. J'avais remarqué. Bravo. Merci Profiction. Merci. J'ai percé comme j'ai pu. Nous allons enchaîner. Fin de la question du bricolage. Nous allons enchaîner avec la roue, la fameuse. Au fur et à mesure, vous la voyez de plus en plus dans chaque émission. Donc, restez avec nous parce que nous allons parler d'un métier passionnant. Donc, si c'est parfait, nous parlons tout de suite de la roue.
Comme à chaque fois, je vais vous réexpliquer qu'est-ce que la roue. La roue, en fait, c'est très simple. C'est une roue. Je répète trop de fois le mot roue. Oui. Une roue virtuelle que nous allons faire tourner. Et sur cette roue, il faut savoir qu'il y a quatre catégories. Il y a les quatre filières que propose notre école. Nous avons la direction artistique, le motion design, l'animation 2D et 3D, ainsi que le game design et jeux vidéo. À partir de là, la roue va tomber sur une des filières et nous parlerons d'un métier qui est en rapport avec cette filière. Le but est de vous parler d'un métier peut-être que vous connaissez de nom, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est, qui est pour vous totalement inconnu. Et ça vous permettra peut-être pour les futurs artistes qui sont avec nous ce soir de découvrir un métier potentiel. Qui sait ? Mais oui. Donc, si c'est pareil, pareil toujours en régie, nous allons tout de suite tourner la roue. Elle arrive. Est-ce qu'ils nous entendent pendant la roue ? J'aime bien demander. Là, ils nous entendent. C'est fantastique. J'espère qu'ils ont la musique et qu'ils s'enjaillent dessus. Attention, surprise. Ah, ça a déjà deviné dans le chat ? Ouh là là ! Mais que se passe-t-il ? Attention, nous sommes tombés sur... Quoi ? Personne ne s'y attendait. Nous sommes tombés sur la filière motion design. C'est fantastique. C'est pas comme si nous étions tous en filière potentielle motion design. Donc c'est vraiment comme quoi le hasard fait vraiment bien les choses. C'est dingue. C'est faux, fantastique. En plus, oui, c'est dans les commentaires, ça a marqué. Je parie le sound design aujourd'hui. Space Rand 8000. Non, okay. Laisse tomber. Je ne sais pas qui tu es, mais je dis ça parfaitement au hasard. Moi, je me suis trompé. Et non, tu ne t'es pas trompé. Nous allons parler de sound design tout à fait, parce que nous sommes dans la filière. Nous sommes tombés sur la filière motion design. Et c'est là que vous allez me poser la question. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que le sound design ? Qu'est-ce que c'est que le sound design ? Mais qu'est-ce que c'est que le sound design ? Oh là là ! J'ai l'impression que tu connais le sound design. Moi, je sais ce que c'est. Tu m'as l'air renseigné. Moi, je sais ce que c'est que le sound design. Je ne sais pas. Non, j'ai fait mes recherches, comme d'habitude, comme à chaque fois que nous allons faire une petite chronique de la roue. Et effectivement, j'ai trouvé des petites traductions, enfin, traductions, rien à voir, des petites définitions sur qu'est-ce que le sound design d'après notre ami Internet. Donc, nous allons tout de suite commencer, comme habituellement, par qu'en pense Wiki ? C'est bien c'est comme vrai. Chronique, oh. Ça, c'est vrai que ça pourrait faire le nom d'une chronique. Campus Wiki. On change le nom de la roue, finalement. Par Campus Wiki. Non, ce n'est pas le concept. De... bien. Et est-ce qu'on peut mettre finalement un jingle dans... Allez, le jingle Campus Wiki tout de suite. Et là, la régie est en panique, c'est faux. Est-ce qu'on fait un jingle en 2 secondes ? Allez, chantez. Vas-y, attention, vas-y. Ah, la comédie musicale, chantez. Non. Oui, évidemment. Ouh. On a un casou, c'est faux. Non, on n'a pas de casou. Le casou n'est plus là. Nous divagons. Oui, nous divagons totalement. Mais il faut qu'est-ce pas nous le sound design. Qu'est-ce que le sound design ? Bah, du coup, d'après Wikipédia, le sound design, c'est... Attention, je prends mes lunettes invisibles. Le sound design est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet désiré. Il est employé dans une variété de disciplines comme le cinéma, le théâtre, l'enregistrement et le mixage de musique, la réalisation, le livre audio, le concert, le développement de jeux vidéo ou même la publicité. Bref, on retrouve le sound design dans tout, globalement. La définition en soi me paraît plutôt correcte. Après, moi, j'ai ma propre manière à moi de le définir. Enfin, j'ai trouvé une manière à moi à peu près de le définir à force de mes recherches. Moi, comment je l'expliquerais ? Le sound design, c'est la maîtrise et la création technique d'une bande-son, tout simplement. Et après, ça consiste surtout à construire ce que j'appelle, ce que j'ai trouvé comme terme, comme le paysage sonore et artistique. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement essentiel à ajouter dans un projet s'il est visuel, parce que ça permet de donner une certaine profondeur, un certain réalisme et de donner vie à un univers qu'on crée, en fait. Et c'est super essentiel. Donc, ça rebroue comme juste avant beaucoup de choses. Après, dans le milieu du motion design, ça va être tout ce qui est des bruitages, des bandes originales qu'on utilise, des musiques d'ambiance ou même... Par exemple, des bruitages qu'on va devoir inventer pour des choses qui n'existent pas. J'ai même fait, donc j'espère qu'il y aura des personnes dans le chat qui vont adorer cette anecdote. J'ai fait un effort de parler de quelque chose que je ne connais pas. j'ai fait un petit exemple, par exemple, les sabres laser dans Star Wars. J'espère qu'il y a des fans. Tu avais la même info. Parce que j'ai fait des recherches avec notre ami Wiki. C'est fantastique. tu donnes tes sources là. Et bah, c'est pas aussi. Il faut savoir du coup que oui, par exemple, pour les sabres laser de Star Wars, ils ont, les sabres laser, ça n'existe pas. Et ils ont dû créer un bruitage, un sound effect qui permet de dire si les sabres laser font ce bruit-là. Et il faut savoir que ça a été créé à base de déformation d'un son qui était, je crois, le bruit d'un câble. Je ne serai pas expliqué exactement. Mais en tout cas, ils ont créé de toutes pièces et c'est tout ce but-là, en fait, c'est de donner vie à un univers avec, par le son, au moins du moins, le renforcer. Star Wars est la meilleure saga de 9 films existants à ce jour. C'est très précis. C'est vraiment très, très, très précis. Oui, mais c'est vrai. je vois qu'on reçoit plein de « oh oui » parce qu'on parle de Star Wars, donc je suis content. Il y a quel autre film dans... Enfin, quel autre...
saga, dans la liste des sagas de 9 films précisément ? Je sais pas, je pourrais pas te répondre. Est-ce qu'il y en a pas, c'est donc la meilleure. C'est donc voilà. La meilleure. C'est surtout le seul. Souligne Jérémy. Attends, il y a notre directrice César Blanchet qui nous a envoyé un message. Hirtsup Lyon est partenaire de, et je sais pas si je vais bien prononcer, de MAAV. Musique appliquée. C'est un, oui, ce sont des aux arts visuels. Ben, merci beaucoup. Il faut savoir que notre directrice nous suit tous les soirs. Elle nous a rajouté cette précision. Merci beaucoup. Je vois que sur mes petites fiches que je devais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez ce terme de sound design ou est-ce que vous en avez déjà un peu pratiqué? Je vais commencer par toi. Oui, peu, mais un petit peu. Oui, c'est ça. Non, au cours des projets qu'on a pu faire, pour le coup, ouais. On a pu un peu toucher à cet univers. Après, c'est quelque chose qui est super intéressant et super large, ouais. Donc voilà. Mais je trouve ça super sympa de pouvoir en parler ce soir, oui. De pouvoir élargir. J'espère qu'au moins ça élargira, ou on va dire désépaissir le brouillard à travers ce métier pour certaines personnes. Et toi, Satine? Oui, alors tout à fait. Bah, un peu pareil déjà dans les cours, parce qu'on suit le même cursus finalement, donc c'est plutôt logique. Mais surtout, attention, l'année dernière, j'ai quand même fait une dissertation en éco-design sur le sound design. Et c'est super intéressant parce que, comme tu le dis, c'est un peu partout, on ne s'en rend pas compte, mais même j'ai vu que certaines personnes travaillaient sur le bruit des villes et comment l'environnement sonore pouvait influer sur les populations, etc. Et donc il y avait toute cette idée de designer la ville aussi en fonction des bruits. Et c'était super intéressant. J'étais pas au courant, j'avais pas dans mes recherches, je suis pas tombée sur ce genre d'informations. Mais c'est pas non plus le truc le plus répandu qu'on parle de sound design. Exactement. Mais c'est hyper intéressant du coup, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font justement des études là-dessus, il y a des instituts qui sont spécialisés là-dedans, etc. C'est super intéressant. Et toi, Maë, quand je te dis le mot sound design, ça t'évoque quoi? Je connaissais un peu de base, mais alors il se trouve que j'ai eu la chance de lire cette rédaction de Satine sur le sound design qui m'en a, je pense, du coup, tout autant. Elle t'a forcé ou c'était volontaire de ta part? C'était une aide pour lui donner une aide. Donc, non, c'était volontaire. mais c'était extrêmement intéressant puisque je savais même pas qu'il y avait des sound designers qui vraiment se posaient la question de, par exemple, que faire dans le métro pour que les bruits du métro soient pas trop agaçants. Et justement, si je me souviens bien, il y avait un débat entre il y a trop de bruit dans le métro qui parasite et qui du coup peuvent gêner les gens qui le prennent quotidiennement et vraiment leur donner mal à la tête, etc. Et en même temps, comme on a défini un sound design pour le métro depuis des années, c'est le même, etc. Par exemple, une personne qui est aveugle, si d'un coup tu lui enlèves tous les sons, elle se repère plus parce que justement, il y a des sons, je pense qu'on connaît tous le son de la fermeture des portes. Oui. On le connaît tous. Si on change, et en fait, si on le change du jour au lendemain, une personne qui, par exemple, ne voit pas va être totalement désorientée. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des problématiques comme ça qui sont super intéressantes. Et il y a des gens qui font des études super longues sur le sujet, en fait. Ça me fait penser aussi, si tu me permets. Non, bien sûr, j'allais justement t'inviter. La problématique qui se pose par rapport aux voitures électriques, par rapport au fait qu'en fait, si elles sont trop silencieuses, ça devient dangereux parce que sur la route, le fait de ne pas entendre les voitures venir, etc. Donc, on doit recréer un bruit pour les voitures électriques, pour que justement ce soit moins dangereux sur la route. Et donc c'est du sound design en fait. Dingue, enfin, j'ai voulu dire d'accord et dingue en même temps, c'était dingue. Mais c'est effectivement, je ne m'attendais pas à le voir dans ce genre de domaine, donc merci de compléter, c'est parfait. Tu as parlé tout à l'heure que dans certains projets, tu aurais pu faire un peu de sound design. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Il se trouve que l'année dernière, cette année. C'était l'année dernière, L'année dernière, on a fait un workshop. Un work, c'est autre chose. Oui. À ne pas confondre. C'était dur là. Donc on a fait un workshop. Un workshop, c'est une semaine de projet intense, on va dire. Ça dépend des projets. Et en gros, à la fin de la semaine, on doit rendre le projet. Et on a fait sur le motion design. Donc on devait faire une animation sur un thème donné qui était nuit sonore. Tout à fait. Le festival nuit sonore, qui est un festival de musique à Lyon. Et donc vous vous doutez bien qu'il fallait insérer du son. Tout à fait. Du sound design. Donc vous en avez fait en final peut-être inconsciemment. Est-ce que c'est un projet dont tu es fier? Ouais, j'aime. Bah alors, il se trouve que je l'ai fait avec mon acolyte. Comme de par hasard, elles ne sont pas. Moi, tu nous envoies un check ou pas? Comme quoi, la complicité sur ce plateau. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons justement cette vidéo à disponibilité et que toute la France entière va pouvoir la regarder avec nous. Enfin, même les 30 TF1 personnes va qui sont avec nous, même TF1. Ça va passer même sur la tour Burj Khalifa. Mais donc, si vous êtes prêts, tout de suite en exclusivité pour la toute première fois sur Studio, le motion sur les nuits sonores de Satine et Ambre.
Est-ce qu'ils ont le son? Ils vont avoir le son normalement. C'est et nous, ils nous entendent plus. Quand même, hein. Eh bien, qu'est-ce que ça fait de le revoir après tant de d'émotions. D'années, c'est faux, d'émotions. Si je peux me permettre un commentaire, il est toujours aussi bien. Il est toujours aussi beau pour un... Il ouais. faut savoir que le début de la semaine, nous ne savons pas utiliser le logiciel. Oui. Fin de la semaine, on a fait ce rendu-là. C'est vrai que c'est donc... la fois où on a commencé à apprendre ouais. After Effects. C'est vrai, c'était la toute première fois. Moi, je me rappelle que le tout premier motion que j'ai pu faire pour le premier cours, je m'étais amusé sur une mauvaise musique d'Harry Potter à la flûte de Pan, à bouger des trucs de manière très mauvaise. Mais moi, je trouvais ça très intéressant. Et au final, en une semaine, on a tous fait des trucs hyper sympas. Pas, dont vous. Et de base, pourquoi on voulait le montrer ce soir et pourquoi nous avons invité Ambre dans cette émission spécialement parce qu'il y avait le sound design? Parce que pendant qu'elle était en train de produire ou à la fin, quand vous avez rendu ce motion design, le prof est venu vers vous en disant « Mais vous faites pas du son, vous ?» Et à partir c'est de là, merveilleux. Cette phrase est merveilleuse. Ah, mais oui, elle mais... est restée, c'est une grande elle référence. Nous a marqué et c'est devenu un peu une privée joke entre nous et on trouvait ça génial d'inviter Ambre qu'on ait parlé de sound design parce qu'elle est au final donc professionnelle. Avec Satine, on fait du son. On fait du son. Non, mais il est vraiment très très bien. Franchement, ouais. C'est incroyable pour un projet de première année, je trouve. Et je dis ça parce qu'au départ, on avait prévu de mettre le nôtre avec Laura qui est actuellement en régie et on l'a revu et on a dit « Bah non, on va pas le mettre. On annule le projet !» Donc vraiment, il est très très bien en termes de motion et puis en termes de son aussi, même si on n'a pas pu écouter. En vrai, c'était marrant de bosser un peu sur le son. Alors, il faut savoir que je pense qu'il y a eu une différence quand même entre ce qu'on avait en tête au tout départ. On s'était un peu je sais pas quel était votre processus créatif. On est parti sur quelque chose un peu plus expérimental que ce qui était prévu à la base, disons. Mais c'est assez intéressant. En fait, justement, tout ce côté avec le son, les petites bêtes qui passent, etc. C'était marrant. Et il est temps de révéler un grand secret. C'est vrai. Un grand secret. Attention. Tu es sûr de vouloir raconter cette histoire? Je pense que personne n'y a fait attention. Non, en vrai, ça va parce que je pense que ça passe. Mais il faut que les gens aient écouté attentivement pour comprendre de quoi on va parler. Mais disons régulièrement, on a un petit hobby à savoir cacher des références dans des choses dans nos projets. Et si vous faites attention, vous entendrez au passage de la chouette ainsi qu'au passage de je sais plus une abeille à la fin, un truc oui, comme ça. C'est ça. Le son d'une douce flûte, musique à la flûte. Est-ce qu'on peut trouver le son de la flûte, Julien, pour que le son de la flûte. Tu penses que tu pourras la remettre? Allez, on repasse la vidéo pour tout le monde. Tu la mets en full screen. C'est une chouette ou un hibou? Au moment du on avait déterminé ça. C'est une chouette ou un... Attends, tu vas nous couper. Dites-nous dans le chat si c'est une chouette ou un hibou. Essentiel de le repasser une seconde fois. Et au final, il faut savoir que cette flûte, d'où elle vient de base, on l'a trouvée sur internet, on l'a trouvée hilarante parce que c'est un gars qui joue juste de la flûte. Dans une vidéo de Lina sur internet. Lina. C'était des. C'est les archives. INA, tout à fait, voilà. Les archives de la télé. Et en fait, c'est une chouette. Voilà. C'est une chouette selon le chat. Ouais. C'est Edwidge dans Harry Potter. C'est une chouette. Harry Potter. On dérive, hein. On dérive. Mais voilà, maintenant vous saurez qu'il y a des petites références. Et si vous allez voir des projets de notre team à tous les cinq, on peut retrouver un petit poney caché sur un nuage dans une affiche, peut-être une photo de Rémi sur un site internet, sur une maquette de site internet, ce genre de choses. C'est possible. C'est vrai que dans des maquettes de site internet, je vous ai tous glissé à des petits endroits. Ouais. Enfin bon. Le sound design. On est allez, ils sont partout. Qu'est-ce que le sound design? Revenons sur le sound design. Mais qu'en pense Wiki? Qu'en pense Wiki? Mais Wiki a déjà donné sa réponse si tu m'avais écouté, Satine. Non, mais effectivement. Et au final, la vérité. Je l'ai dit déjà, c'est la vérité de pourquoi on avait parlé. Et notre prof sur After Effects, c'est ça que j'ai oublié, c'est Mathieu Travi. Mathieu Travi, que j'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs, qui est un prof extraordinaire de After Effects. Donc merci beaucoup à lui, parce que c'est grâce à lui qu'on peut créer tous ces genres de choses un peu farfelues et que nous devenons au final des véritables monstres. D'ailleurs, merci à lui, parce que je sais que j'ai quelques difficultés en motion et de à chaque fois reprendre 15 fois pour moi. Merci Mathieu. C'est vrai. Elle y arrive, mais à sa vitesse. Bah ouais, disons que maintenant il y a deux questions, c'est est-ce que tout le monde suit, est-ce que Maï suit?
Donc en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé le sound design fantastique. J'ai justement un truc que moi, j'ai trouvé personnellement dans mes recherches exceptionnelles à présenter. Donc eux, ils vont l'avoir. Vous n'aurez pas le son peut-être. On va trouver un moyen. Mais il va savoir qu'en fait, je suis tombé sur la chaîne, je cherche le nom. Pour pas dire n'importe quoi, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Artlist, qui en fait, tout simplement, j'ai écrit une définition. Oui, Artlist est à base, à l'origine, une plateforme qui propose un large catalogue de musique libre de droit, en gros, à peu près, c'est ça. Et en fait, elles ont une chaîne YouTube. Et à partir de là, ils ont fait plusieurs vidéos qui expliquent un peu le sound design, comment ils font, par exemple, ils ont fait une pub pour le Black Friday, je crois, pour vendre leur catalogue en ligne. Et à partir de là, ils ont présenté comment ils ont fait le sound design sur cette vidéo-là, parce qu'il y a un enchaînement de plans. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai la vidéo de leur pub avec que la musique, et pour voir qu'est-ce que ça donne les plans enchaînés avec que la musique. Puis j'ai la version qu'avec les bruitages, et pour voir qu'en fait les deux sont essentiels, et qu'est-ce que ça rend quand on rajoute les bruitages, à quel point c'est essentiel. Donc c'est surtout les téléspectateurs qui vont le voir, parce que vous n'aurez pas le son. Ouais, donc c'est pas pratique. Mais effectivement, bon. À moins qu'on va réussir à nous donner le son, je sais pas, peut-être Laura, on verra. Et ben, je vous laisse écouter la première vidéo qui est la version avec que la musique. C'est le montage, on va dire, tel qu'il est, avec uniquement la musique qu'ils ont décidé de pousser. Et à partir de là, pour vous faire vous rendre compte à quel point le sound design, c'est nécessaire de rajouter tous ces bruitages, il faut savoir que pour chaque image que vous voyez avant que ça en passe à une autre, il y a à peu près 4 à 5 sons qui sont rajoutés, des fois déformés, surtout par exemple, vous allez voir, je vous laisse écouter la version avec uniquement les bruitages. C'est la fin. Et donc là, vous avez pu voir cette enchaînement et cet ajout pour chaque plan précis de son pour donner en finale vie à ces images-là. Et par exemple, vraiment, c'est de la déformation de son qui existe ou de l'accumulation de son. Et par exemple, pour les framboises, vu que c'est une sorte de ralenti de framboises qui s'entrechoquent, une sorte d'explosion, pourquoi il y a ce plan, on va savoir. Mais ils ont décidé d'utiliser le bruit d'un homme qui mâche, un chewing-gum, ainsi que les bruits de paquets de chips, je crois, ou de chips qui craquent, un bruit dans le genre. Et en fait, ils ont déformé pour n'utiliser que les basses fréquences de ces sons-là. Et ça marche au final tellement bien dans ce son-là, et c'est dans la dynamique. Et c'est tellement essentiel que là, vous allez voir l'ajout de la musique et des bruitages, si Julien, c'est possible, les deux réunis, vous allez voir que ça change totalement la vidéo et que ça rend quelque chose de beaucoup plus réaliste et d'un univers vraiment incroyable. Au final, vous avez eu la totalité. Et vraiment, moi, j'ai trouvé, quand j'ai vu cette expérience, donc c'était un peu rébarbatif, je pense, de voir les trois vidéos à chaque fois, les 20 secondes d'affilée. Mais au final, ça permet vraiment de se rendre compte que la musique, ça sert très bien si c'est une musique émotion. Les bruitages, c'est très bien aussi, mais au final, c'est vraiment les deux ensemble réunis qui vont faire que ça marche et que ça rend ce point de vue de réel. Je vous montrerai après l'émission, parce que du coup, vous n'avez pas pu entendre, parce que sinon, c'est trop compliqué en termes de technique. Mais très, très bien. Et c'est là, je vois qu'il y a un commentaire qui nous dit, c'est là qu'on voit que c'est bien fait parce que la Mustang, la voiture, a pas un bruit complètement abusé comme on peut le voir des fois sur des voitures nulles. Tout fait. C'est pas faux, mais en vrai, là vous, vous verrez. Mais effectivement, le son, en plus, certaines transitions qui se font entre le moment où on voit la boxeuse et d'un coup on passe à la voiture, ça a été tellement pensé pour que les deux bruits s'emboîtent et soient faits de manière intelligente. Enfin, c'est un réel travail. Et c'est quelque chose d'essentiel, donc j'espère que ça a permis de se faire se rendre compte, certaines personnes, de quel point le sound design c'est essentiel et c'est parfait. Ouais, et puis c'est franchement très très complexe, parce que nous on est en stage, on fait quand même beaucoup de vidéos, et là il se trouve que justement on devait placer du son sur des vidéos. En vrai c'est super dur de réfléchir quel son on va aller, ce qu'elle est où, là j'entends un rythme, donc peut-être telle musique, tel type de musique, enfin en vrai, rajouter du son sur quelque chose, enfin il y a des gens, tu leur montres une image, ils savent quels sons ils vont placer ou alors quels sons ils vont prendre, déformer et remettre au-dessus. Enfin, c'est incroyable en fait.
à quel point leur cerveau marche différemment. Oui. C'est le métier de sound designer, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, j'allais dire, c'est fou aussi, comme justement, on n'y fait pas attention non plus. Mais oui, c'est dingue, toutes ces choses qui composent. Parce que moi, c'est vrai que si j'aurais parlé de la vidéo au final, j'aurais parlé, ouais, il y a une musique un peu émotion, etc. Mais je sais pas si j'aurais parlé des bruitages, alors qu'en vrai, sans, ça fait tout de suite plat quand on n'a qu'une musique. Mais exactement, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est ça qui fait que c'est bien fait aussi. Encore une fois, c'est un peu comme ce qu'on disait la dernière fois. C'est le genre de choses qu'on ne remarque pas, mais qui sont essentielles et qu'on remarque si elles ne sont pas là. Moi, j'avais un autre exemple aussi que j'ai trouvé, c'est encore dans l'industrie automobile. Ouais. Donc, pour le coup, là, il y avait un exemple de les voitures électriques, ça pose problème niveau sécurité. Donc, c'est, on va dire, essentiel et presque obligatoire de remettre un bruit. Mais il y a sur différentes voitures, je ne sais pas si vous avez remarqué, le claquement de la porte. Oui. Ah. Et bien, c'est étudié aussi. C'est-à-dire que sur une voiture du genre une Twingo ou un truc comme ça. Oui. C'est très bien les Twingo, voilà. Mais, aucune discrimination sera faite sur les Twingo. Absolument pas. Mais bon, ça claque, normal, c'est un bruit de voiture. Il faut savoir que sur des voitures plus haut de gamme, on va dire, j'ai pas du tout d'exemple de quelle voiture, je sais pas, mais le bruit est étudié pour que quand tu fermes la porte, tu te sens super bien, que ça fasse une sorte de sas, mais c'est vrai qu'on remarque, et que tu te sens en sécurité, on va dire. C'est et en gros, il y a des choses comme ça où tu n'y penses jamais, mais c'est au évident, final, et ça c'est a changé. C'est, voilà. Bah, donc, comment on dit, inconsciemment. Ouais, c'est inconscient, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est inconscient et les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a une sorte de bien-être qui s'installe. Voilà. Mais c'est fascinant comme technique de vente, parce qu'en fait, on te vend un produit, mais il y a des choses que tu... Enfin, même ta conscience, finalement, ne le sait pas. Mais en fait, on est déjà en train de te vendre le produit avec le son... Enfin, c'est un truc de malade quand même, parce que ça veut dire qu'on peut t'influencer dans ta décision, sur un truc que tu ne vois pas. Inconsciemment, ouais, voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, en faisant ma dissertation, je pensais jamais écouter ça de ma vie, mais non, mais du coup, ça va vraiment... Alors là, je suis calée sur le sound design, surtout dans les voitures, justement, parce que j'ai vraiment écouté tout un podcast sur des gens qui... sur des personnes qui travaillaient justement sur le sound design dans les voitures. Alors vraiment, c'était très spécifique. Voilà, je me suis retrouvée là par rapport à cette dissertation. Mais il y a vraiment des personnes, c'est leur travail, elles font ça, elles bossent sur le son dans les voitures. Et par exemple, se poser aussi la question de la spatialisation du son, c'est-à-dire le fait de tel bruit, on doit avoir l'impression qu'il vient de derrière, qu'il vient de devant, qu'il vient de tel endroit, en fonction de la fonction, etc. D'accord. Tu sais, t'as différentes fonctions dans ta voiture, par exemple, je sais pas. Moi, j'ai pas de voiture, donc... Directement, je sais pas, mais par exemple, je sais pas si ça correspond vraiment à ça, mais en gros, par exemple, si tu devais avoir une fonction qui concerne tes phares, il faut qu'on ait l'impression, quand on entend le son, que ça vient de devant, parce qu'on comprend que c'est une fonction qui concerne quelque chose qui est situé devant dans la voiture. Je ne savais pas. Ouais. Vous en savez plus sur le sound design que moi, au final, après les recherches que j'ai fait hier soir, c'est l'annonce. D'ailleurs, j'allais dire qu'on a eu un autre projet que cette dissertation, finalement, qui est un projet qui s'appelle Imagine Lyon, et on devait trouver un moyen de rendre l'urbanisme plus agréable à des personnes. Et avec cette île, on avait un moment réfléchi à une sorte de bulle de silence, en fait, qui filtrerait les bruits pour éviter les mal de tête. Parce qu'en fait, tu te promènes dans la rue, tu as des dizaines de bruits différents qui agressent ton cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant des recherches, qu'il y a des gens qui vont trouver ça beaucoup plus insupportable et beaucoup plus pesant, le silence total. Parce qu'en fait, quoi que tu fasses, quand tu es en ville, en vrai, tu as rarement un silence total. Et ça peut être un peu angoissant de finalement de ne plus rien entendre du tout. Donc c'est important, même si tu prévois une bulle de silence, de laisser un peu soit des bruits atténués, soit de la musique. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, une coupure de son total, ça va placer plus les gens en stress que le fait de réduire le bruit, en fait. C'est de malade. Je suis désolé, je vais devoir vous arrêter. Avant d'enchaîner, je vais juste rebondir sur un commentaire encore une fois de notre directrice qui est très présente ce soir. Merci beaucoup. Les logos des marques de voitures ont aussi un son qui accompagne l'apparition du logo. Donc j'imagine dans les publicités, et c'est vrai, pour que ça permet tout simplement d'être reconnaissable quand c'est différent à d'autres, d'autres marques, tout simplement. Et nous allons devoir tout de suite enchaîner parce qu'il faut qu'on continue. Malheureusement, même si le sound design, c'est très passionnant, il faut qu'on continue. Et ça va être autour de toi, mais donc au final, j'espère que tu te restes encore un petit peu de blablatage parce que c'est ton tour pour ta chronique et c'est enfin le grand retour de Maë refait l'histoire. Vous ne le savez pas, mais à chaque fois qu'il y a un générique, on s'engueule, puis après on fait semblant de sourire. C'est faux. C'est totalement vrai. Mais en fait, Maë, tout simplement, bois un petit coup avant de commencer. Super. Je te donne les commandes ? Oui. tu n'as pas l'air d'être sûr de vouloir accepter. Non, mais je prends les commandes, d'accord. Je te les passe de manière illustrée. Vas-y, envoie-les-moi. Waouh ! Oh, waouh ! On est tellement gênants.
On est un peu les boomers de Twitter. Mais moi, toujours pas de Twitter. Vraiment, de Twitter sur Twitch, allez. Les tatas de Twitch sont de retour. Pourquoi les tatas et le tonton? C'était une blague qu'on avait. Et les tontons à Julien. Oui, les tontons. En fait, c'est dès qu'on a un peu ragard par rapport à Twitch, on dit les tontons de. Ah, on est des tontons et des tatas. Super. Oh, bah ton papa m'a dit Maya avec un H comme dans Histoire. Merci, merci au papa de Rémi. Joli. C'était pas du tout prévu. Très bien. Alors aujourd'hui, on part sur une nouvelle chronique historique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de femmes célèbres qui ont été des artistes. Attention, pas des muses, mais réellement, du coup, les producteurs des œuvres d'art. Parce que, hier, c'était la journée des droits de la femme. Et on s'est dit qu'on avait envie de mettre en valeur un peu des artistes féminines. Donc, on ne connaît pas forcément l'histoire parce qu'elles ont eu du mal à se faire une place à d'autres époques dans notre milieu. Où aujourd'hui, bah, pour nous, c'est quand même plus simple. Hein. On peut quand même voir qu'il y a trois filles sur le plateau. Donc, la démonstration est là. Et en plus, il se trouve que comment expliquer ça ? Qu'on s'est dit que ce serait super sympa de vous partager un peu nos connaissances sur le sujet. Parce qu'à Yartup, on a la chance d'avoir des professeurs dans le domaine de l'image qui sont là pour nous rappeler quelle place a la femme dans l'image, comment mettre en valeur les artistes féminines et que bah, tout le monde n'est pas Yartup, malheureusement. C'est vrai. Mais prochainement, inscrivez-vous. Mais donc voilà, la première femme dont je vais vous parler, c'est Margaret Keane. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. J'ai une très faible culture. D'accord. Et bah, en fait, il se trouve qu'en 2014, Tim Burton a fait un film qui s'appelle Big Eyes. Je ne sais pas si ça vous dit plus quelque chose, c'est pour ça que cette histoire est un peu plus connue. Et en fait, ça raconte l'une des plus grandes impostures de l'histoire de l'art, finalement, puisque la femme qu'on peut voir ici a été mise de côté par son mari. Mais je vais reprendre l'histoire depuis le début. Donc l'histoire, elle commence à Nashville avec une femme qui s'appelle Peggy Dory Hawkins et qui, à 10 ans, commence à peindre ses premiers tableaux et crée le premier Big Eyes, c'est-à-dire des enfants un peu malheureux avec de grands yeux noirs, un peu effrayants, mais en même temps, c'est un style vraiment très atypique qui lui est très propre. Et en grandissant, on ne sait pas pourquoi, elle va être connue plus sous le nom de Margaret. Elle va faire des études de design à New York et elle va commencer à vivre de son art, ce qui est un peu difficile à son époque. Et elle va avoir beaucoup de complications, elle a du mal à s'en sortir. Jusqu'au jour où elle rencontre Walter Keane à San Francisco dans une foire artistique qui va être son mari et je pense l'une des plus grandes souffrances de sa vie, malheureusement. Ah. Il se trouve qu'ils vont tomber amoureux, se marier et décider de collaborer ensemble pour faire connaître ses tableaux. Puisqu'il s'agit d'un agent immobilier du Nebraska, mais qui dit à tout le monde qu'il est artiste, qu'il a fait des fresques à Montmartre, que vraiment, il a une carrière derrière lui. C'est totalement faux. On découvrira plus tard qu'il n'a fait aucune des fresques dont il s'est vanté toute sa vie. Et du coup, il décide de faire une sorte d'alliance familiale. Elle fait les tableaux, il les vend. Jusqu'au jour où elle se rend compte qu'en fait, il les signe uniquement Keane, sans son prénom à elle, et qu'il raconte à tout le monde que c'est lui qui fait les tableaux. D'accord. Et donc déjà, on part pas sur une super ambiance. Une belle personne. Très bien. Et là, les images que vous avez pu voir, c'était des images du film. Donc attention, c'était pas les. Voilà. Oui. Et là, c'est la vraie. Et là, c'est la vraie personne qui a aujourd'hui 94 ans. Voilà. D'accord. Quand je vous raconte cette histoire, voilà. Et il faut savoir que le moment où elle se rend compte bah, du coup, qu'il ne signe pas ses tableaux avec son nom, elle l'a confronté et qui lui a répondu que bah, on est dans une époque où si une femme signe un tableau, il ne se vend pas. C'est vrai, du coup, elle se dit que bah, ça doit être normal, finalement. Et en plus, il lui répond que voilà, maintenant, s'ils vont dire que c'est une femme qui a fait le tableau, ils vont devoir les rembourser, ça va être compliqué. Donc voilà. Pendant un temps, elle accepte et disons que les pressions psychologiques se font de plus en plus importantes. Et du coup, Margaret Keane va céder et passer presque 10 ans à faire des journées de plus de 16 heures, des fois, par jour, à peindre dans une pièce enfermée à clé, vraiment dans le noir, des tableaux dont son mari a la seule gloire. Et ça va aller jusqu'au fait qu'il l'empêche de voir leur fille si elle peint pas au moins 16 heures par jour. Donc elle a pas le droit de se faire des amis, elle a pas le droit de sortir de cette pièce et elle a le droit de sortir de la maison quand elle a fini de travailler, c'est vraiment de l'exploitation totale. En plus pendant ce temps Walter lui il devient très célèbre parce que ses tableaux ont vraiment connu une remontée, il y a des tableaux, il y a des cartes postales, on vend des posters, Andy Warhol a dit qu'il aimait cet art, enfin vraiment ça gagne en célébrité. Et en 1964 ils sont même à l'exposition universelle de New York. D'accord. Bon, ils sont vite retirés parce que la presse les trouve kitsch, malgré le fait qu'Andy Warhol essaye de les défendre. Oui. Mais voilà, c'est un certain succès. Et donc Walter, lui, il enchaîne les interviews. Il faut savoir que c'est une personne très, très détestable. En plus d'avoir séquestré sa femme, il parle de lui à la troisième personne en interview. Il se compare aux plus grands poètes et aux plus grands artistes de la Renaissance italienne. Et il a même dit
vu qu'il ne savait pas d'où tenait, d'où sa femme tenait son inspiration, il a dit qu'il avait été, je cite, inspiré par des enfants affamés qu'il aurait aperçus à Berlin lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est un mensonge, somme toute, horrible, puisque c'est faux. Et voilà, vraiment, il a poussé, le vice très très loin. Et en 1965, après l'exposition universelle de New York, justement, Margaret se rend compte qu'en fait, ces tableaux sont super connus, qu'il y a des femmes qui commencent à percer dans le monde artistique, que c'est moins tabou. Et elle se dit, bah non, en fait, il m'a menti, il me fait pression psychologique. Elle s'en va avec son enfant, elle divorce, et elle va vivre à Hawaï. Elle se remarie, bref. Très bien. Elle reprend finalement une vie un peu normale et beaucoup plus simple. Et un jour, à la radio, 5 ans après, elle dit en direct que c'est elle l'auteur des tableaux. Et que si son mari a le courage de venir défendre le fait que c'est lui l'auteur, qu'il vienne sur la place publique de San Francisco pour peindre un tableau en direct et montrer que en fait, c'est lui qui a fait les Big Eyes. Il n'est jamais venu, vous en doutez bien. Et, il a préféré ce qu'on appelle communément dans le milieu la technique de l'autruche. Et du coup, elle lui a collé un procès. Et en 1986, elle a réitéré son défi devant la cour, ce qui a été accepté. Ils ont dû peindre un tableau, tous les deux. Alors, j'ai pas d'image, mais je peux vous dire que c'est extrêmement drôle à regarder, puisque elle a peint un tableau complet en 53 minutes, ce qui est très très rapide. Ouais. Et il est resté devant une toile blanche parce que, je cite, il avait mal à l'épaule. Oh, allez, ce genre de mytho, ça s'en va. Devinez qui a gagné le procès. Du coup, voilà. Aujourd'hui, elle a enfin pu être reconnue. On lui a rendu ce qui était à elle. Et il faut savoir qu'elle a eu beaucoup de difficultés à faire ce procès parce que, en appel, c'était aux États-Unis, elle a perdu 4 millions de dollars pour aller en appel et pour faire ce procès. Donc, heureusement, aujourd'hui, on lui a rendu lui était dû. Voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a 94 ans, qu'elle peint toujours des tableaux qui sont disponibles sur Instagram pour certains. Et que, petite amélioration, c'est toujours des big eyes, c'est toujours des enfants avec des grands yeux noirs, mais ils sont plus tristes, ils sourient. Donc coïncidence, je ne crois pas. Voilà, donc bien. C'était la première anecdote. Super, merci. Et voilà, le but c'est vraiment de mettre en valeur des femmes qui ont dû se battre, entre guillemets, pour l'être. Et qui méritent surtout, je pense, d'être connues au bout d'un moment. Quand elles ne l'ont pas été assez et quand elles ont été exploitées de la sorte, enfin non quoi. Voilà. Donc, merci. Nous passons à notre seconde candidate. Combien en as-tu au final d'anecdotes ? J'en ai 3. Tu en as 3, très bien, mais tu peux. Voilà. C'était pour ça. Et ben, ma seconde candidate s'appelle Camille Claudel. Et alors, on part sur un tout autre domaine. Elle est née en 1864 dans un milieu très intellectuel et très noble. Et malgré sa mère qui s'y oppose, parce qu'en fait, elle a une passion pour la sculpture. Seulement, bon, une jeune fille qui passe ses mains dans la boue toute la journée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouh là là ! Ouh là là, non, j'entre ! Nous ne pouvons point laisser faire ça. Et du coup, sa mère s'y oppose vraiment parce qu'elle trouve ça pas correct. Et il se trouve que là, elle va bénéficier du soutien de son père, qui va décider qu'une jeune femme devrait pouvoir faire ce qu'elle veut. Merci au papa de Camille. Et il décide de faire jouer ses contacts pour qu'elle ait des cours avec des grands sculpteurs. Et elle va rencontrer Auguste Rodin. Ah oui. Ce qui est une très très bonne rencontre, mais qui dans son cas ne sera pas une très très bonne rencontre. Ah, d'accord, bon. C'est pas vraiment la chronique de la joie ce soir, mais bon, voilà. Et elle va rejoindre son atelier en 1882. Et donc en soi, au début, tout se passe super bien. Rodin reconnaît qu'elle a un talent extrême, qu'elle pourrait presque l'égaler. Voilà, c'est quand même très fair-play de sa part dans une société où on pense que les femmes ne sont pas capables de faire de l'art. Et en 1886, elle va peindre La jeune fille à la gerbe, et là, tout le monde va saluer son talent. C'est l'une des premières sculptures qui fait qu'il la remarque vraiment, et qu'à partir de ce moment-là, il commence à tout le temps la mettre en avant dans son atelier. D'accord. Et il va même déclarer « Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire. Je la consulte en toutes choses. Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve, il est bien à elle. » Donc, c'est-à-dire qu'il reconnaît sincèrement qu'il lui a appris, ce qu'il fallait, mais qu'en fait, son talent, il vient vraiment d'elle-même. Et Rodin va se prendre de passion pour elle. Elle va devenir également sa muse, c'est même si elle est surtout une artiste. Et il va tomber amoureux d'elle. Voilà, c'est là le moment. C'est le moment passion love actuel. Voilà. Et on repart sur une histoire d'amour finalement catastrophique, puisque... Oh, voilà. Puisqu'au départ, tout se passe bien. Non, mais attends. Non, c'est vrai, encore. Quand on a entendu l'histoire d'avant, on peut se... Et bah là, c'est... En fait, en soi, c'est pas vraiment...
c'est pas vraiment de la faute de Rodin, c'est plutôt de la faute de l'époque, puisqu'en fait, leur liaison n'est pas officielle. Donc déjà, ce qui est très tendu. T'as et bon. En fait, quand elle est entre guillemets rendue publique, il y a des bruits de couloir, des rumeurs. En fait, elle va partir de là, cette artiste va être totalement placée dans l'ombre de Rodin. C'est-à-dire que Rodin, à partir de ce moment-là, ça devient son mentor, celui qui lui a tout appris. Si on la met en valeur, c'est parce que elle a les faveurs de Rodin, et pas du tout parce que c'est une artiste compétente. Ouais. Et à partir de là, on la remet totalement en cause et elle passe dans son ombre. Et en fait, ils ont énormément de mal à essayer de lui rendre, entre guillemets, son succès individuel. Ouais. En fait, on ne reconnaît plus son travail. Je sais pas si j'ai bien entendu, mais en gros, c'est quelque chose qui va venir du public, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est d'accord, ça. Okay. En fait, la critique est très controversée sur elle. Il y en a beaucoup qui, vraiment encensent son travail, et il y en a qui la critiquent et en fait qui attendaient le moindre écart pour la descendre en place publique. Et quand sa liaison avec Rodin commence à être l'objet de rumeurs, et ben c'est là qu'ils vont totalement dénigrer son succès en disant que il l'a pas prise dans son atelier parce qu'il la trouvait talentueuse, mais parce que il était amoureux d'elle, ce qui est totalement faux. Mais il se trouve que, chose encore plus triste, elle n'a pas la faveur de Rodin. Oui, c'est-à-dire que fait Rodin? Et ben il se trouve qu'en fait Rodin, quand il la rencontre, ça fait 20 ans qu'il vit avec sa compagne et qui est son ancien modèle Rose Beret, qu'il a rencontré en 1864, qui est l'année de naissance de Camille. C'est-à-dire qu'ils ont 40 ans d'écart et que voilà. En fait, c'est vraiment une liaison qui est très controversée, ouais. Non. Et en fait, il arrivera jamais à se enfin, elle est prête à renoncer à ses rêves, à ses ambitions pour l'épouser. Mmh. Et lui ne sera jamais prêt à faire la même chose, il sera incapable de quitter sa compagne et en fait, c'est très parallèle parce que cette autre femme, il se refuse au mariage avec elle, mais il refuse de la quitter. Donc il va refuser de la quitter, ça va provoquer la rupture, il va se marier avec cette autre femme à 76 ans. Il se décidera très très tard. Ouais. Ah oui. En effet. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui a été dit en commentaire, l'amour n'a pas d'âge, comme quoi. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va provoquer leur rupture parce que Camille était prête à renoncer à tout pour lui et pas lui. Et seulement, en fait, à partir du moment où elle quitte son atelier, c'est plus possible pour elle. C'est très difficile parce que, en fait, elle a cette réputation, cette rumeur qui est déjà faite sur elle. Et en plus, maintenant, elle est plus entre guillemets sous les lumières des projecteurs avec Rodin, parce que jusque-là, ils faisaient quand même des collaborations. Elle restait en fait dans le milieu de la sculpture, finalement, assez exposée. Et là, c'est très difficile pour elle et elle va jamais vraiment réussir à retrouver cette place un peu dans la lumière. Ouais, on part sur une fin assez dramatique. Oui. Et je suis désolée, l'ambiance n'est pas présente. Mais en fait, elle va développer des troubles de la paranoïa et obsessionnelle. Et en fait, à l'époque, on pense que c'était de la schizophrénie. Seulement, comme à l'époque, les maladies mentales, on les traitait pas, on savait pas trop ce que c'était. Personne va vraiment l'aider et jusqu'au jour où elle va faire une grosse crise et elle va ravager tout son travail en 1912, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Okay. 1912. Elle va ravager absolument tout son atelier, ses sculptures, etc. Donc elle va détruire une grande partie de son travail, ce qui est super triste parce qu'il y a plein d'œuvres qui ont été boostées en post-mortem. Et en fait, elle en a détruit tellement que voilà, ça a été un peu compliqué. Et à partir de là, elle a été internée jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. On part sur une autre encore une fin malheureuse. Mais je pensais que c'était important d'en parler parce que même si sa fin est très très triste et que ça plombe un peu l'ambiance ici dans le studio, en fait c'est une femme qui avait un talent monstre, qui a été vraiment reconnue, qui a réussi à impressionner les professeurs et à être une pionnière un peu dans son domaine et vraiment à s'imposer. Et en fait il y a vraiment eu un côté de la société, elle n'a pas réussi en fait à lutter contre le courant. Et donc de rappeler encore une fois que nous on a la chance, si on veut devenir sculpteuse, vous pouvez même. De ne pas être obligé de passer par un homme, en effet, et donc c'est quand même important de le rappeler. Et on part sur une dernière personne. Alors, encore une fois, on n'est pas sur de la joie, mais je parle en même temps des femmes à une époque où c'était difficile. Mm-hmm. Oui. Ça allait encore, mais un peu moins. Mais ce qui n'est pas une raison pour ne pas en parler, justement. Donc, oui, tout à fait. C'est très bien. Et on va parler de Sylvia Plath. Donc, on part encore sur quelque chose de totalement différent, puisqu'on part sur une poétesse. On dit poétesse. Ouais. J'ai vraiment très peu de culture. Très bien. Et elle naît à Boston en 1932 et elle est qualifiée tout de suite d'enfant prodige puisqu'elle sait lire à 4 ans. À 8 ans, elle écrit déjà des poèmes qui, je pense, voilà, on se sent pas très bien quand on les lit parce que du haut de nos 20 ans, voilà. Et en fait, elle veut devenir écrivaine parce que sa mère lui a offert un journal quand elle était enfant qu'elle va tenir d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Et son objectif, c'est de dépasser Virginia Woolf. Donc je sais pas pour ceux qui l'ont pas, mais c'est l'une des plus grandes écrivaines féministes. Voilà, bien évidemment, j'adore... Et en gros, c'est pour vous donner un peu une idée des idées qu'elle va défendre. Mais elle se retrouve dans une société, comment vous expliquer qu'en 1930,
Voilà. Et à 20 ans, elle va se lancer dans des études très poussées. Elle va être très brillante. Et là, bah, en 1950, elle va se heurter à une société masculine qui ne veut pas d'elle, malheureusement, dans le milieu de l'écriture, parce qu'une femme qui vit de l'écriture toute seule, c'est pas possible. On lui demande de se marier, on lui demande de rentrer dans les mœurs, finalement. Et elle va très mal le vivre. C'est-à-dire qu'elle va être partagée entre est-ce que je dois renoncer à mes valeurs, mais être finalement acceptée, ne plus être brimée par la société, ou est-ce que je dois respecter mon envie de liberté, mon envie de m'émanciper de cette société. Et elle va du coup faire une dépression, tenter de se suicider. Ouais, je sais, je suis désolée. Et elle va être en fait internée 5 mois. Mais il se trouve que de cet internement va naître son œuvre la plus monstrueuse en fait, techniquement, enfin, en termes d'un point de vue positif, puisqu'elle va pouvoir écrire La cloche de détresse, qui est l'un des premiers ouvrages qui parle foncièrement de la dépression, qui reconnaît un peu la charge mentale, et qui, je cite, parle de l'oppression d'une personne vécue par une femme dans les années 50, de quelle pression on vous met dessus, qu'est-ce qu'on veut vous obliger à faire. Oui. Et en fait, c'est vraiment un livre qui va être super connu, qui va lui permettre de percer. Donc à partir de là, elle sort de son internement. À 23 ans, elle reprend ses études, elle s'installe en Angleterre et elle devient extrêmement brillante, c'est-à-dire qu'elle publie énormément de poèmes, voilà. Et là, bon, je suis désolée, c'est le même plot twist à chaque fois, je vous jure, vous cherchez les anecdotes séparément. Une histoire d'amour ou une histoire tragique? Oui, une histoire d'amour, mais tragique. Voilà. Non, mais sinon, on peut s'arrêter, elle a percé, c'est super. Et elle rencontre un poète qui deviendra plus tard son mari, qui s'appelle Ted Hughes. Et en fait, quand elle... Très connu aussi. Ouais. Arrête. Ouais. En fait, j'ai cru que tu le connaissais et j'ai vu la lueur dans tes yeux de désespoir. C'est tellement ça. Hein. L'ambiance est délétère, comme le dit Space Rain. Mais non. Et c'est important d'en parler. Et il se trouve qu'en fait, par amour pour lui, elle va remettre en valeur... Enfin, remettre en question, toutes ces valeurs. Ouais, je vais y arriver, merci. Et en fait, elle décide de se conformer à ce que veut la société parce que c'est le seul moyen, entre guillemets, qu'elle a d'être avec lui, parce qu'elle l'aime, et qu'elle veut fonder une famille avec lui, et que si elle ne se marie pas, si elle n'accepte pas ce qu'on veut lui imposer, bah, elle ne pourra pas être avec lui. Oui. Donc elle décide de se marier, d'avoir des enfants, et à partir de là, elle va commencer à s'occuper des tâches ménagères, et elle devient littéralement la secrétaire de son mari, c'est-à-dire qu'elle gère ses textes, elle l'aide, elle gère son courrier. Et elle n'écrit plus. Ne faites pas ça. Elle n'écrit plus, elle renonce un peu à son rêve pour sa famille, pour son grand amour, en fait, finalement. Et vous vous doutez bien qu'il faut qu'il y ait un petit souci, parce que si elle avait renoncé à ses rêves pour quelque chose de positif... Parce qu'il y a pire qu'on parle de drama, là. Ah oui, bah non, mais... Ah, c'était pas... Oui, d'accord. Le drama, non. Non, mais parce qu'en fait, en soi, c'est un choix de vouloir une vie de famille et de vouloir renoncer à sa carrière. Tu vois, c'est quand même un choix qu'on peut faire. Mais il se trouve que son mari lui rend très bien de le fait qu'elle se sacrifie pour sa propre carrière, puisqu'à 29 ans, elle se rend compte qu'il la trompe. Allez, on enchaîne. Hein. Et avec une amie et aussi une rivale qui est dans le même domaine, qui est dans le domaine de la poésie. Et il faut savoir que le mari de cette amie est en plus également un de ses amis, donc vraiment double trahison, voilà, le mari suprême. Cette amie est un ami. Oui, c'est ça. Ouais, alors, en fait, c'est la logique. En fait, si tu veux, il la trompe avec une amie à elle. Oui. Et il se trouve que le mari de cette amie est aussi l'ami... Très bien, je t'en prie. C'est l'ami d'ami d'un ami. Oh, c'est un couple d'amis, finalement. Voilà. C'est un couple d'amis. Voilà, et donc c'est très très dur. Et elle prend une décision, c'est-à-dire qu'elle part avec ses enfants, puisque de toute façon, c'est elle qui s'en occupe, donc elle décide de partir avec. Mais elle a consacré une grande partie de sa vie à sa carrière, presque 6 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et elle décide que ce qu'elle lui a pris, enfin ce qu'elle lui a donné, elle va lui reprendre. Et elle prend un maximum de manuscrits, de poèmes, de lettres, une grande partie de l'œuvre de Ted, et elle les brûle en partant. Elle fait un feu de joie. Ça, c'est la bonne chose à faire. Voilà, donc. Brûler tout. Voilà, non, mais elle part quand même en reprenant finalement ce qu'elle lui a donné, puisque tout le temps, toutes les corrections qu'elle lui a faites, elle les brûle. Très bien. Désolée, Ted. fallait pas dériver. Et mais par contre, en fait, elle part seule, en fait, en mère célibataire avec des enfants, et elle se retrouve dans l'hiver le plus rude depuis des années en Angleterre, comme de par hasard. Et elle va pas supporter la pression. Et alors, attention, on part sur une fin dramatique. Non. Je suis vraiment désolée. Je sais ce qui arrive parce que j'ai entendu quand je travaillais. Oui, si. Et en 1963, elle va se suicider. Voilà, je suis désolée, la pression mentale sur les femmes à cette période était extrêmement, était vraiment extrême. Une mère célibataire, en fait, avec ses enfants, ne pouvait à peine y arriver, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle explose,
C'est-à-dire que, en gros, c'est devenu une figure emblématique dans les pays anglophones. Ah. Elle est devenue un génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes, comme une icône de la poésie. C'est vraiment le truc qui l'a fait connaître, parce qu'en fait, elle se suicide. Mais il faut savoir que quelques temps avant, l'un de ses derniers poèmes, il prédit les circonstances de sa mort, alors que c'était un suicide totalement spontané, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas prévoir autant de coïncidences. Et donc, ils vont appeler ça vraiment une bouleversante chronique d'un suicide annoncé. Et voilà, c'est, en fait, ça, elle va totalement percer grâce à cet événement. Donc en fait, sa vie est tragique, mais c'est ça qui l'a rendue célèbre. Comme malheureusement beaucoup de personnes, que ça rejoint aussi malheureusement Jonathan Larson, qu'on parlait dans Sexy Boom, qui a été connu dès un grand succès et qui est mort juste avant. Beaucoup de personnes très connues n'ont pas connu leur propre succès. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais cette chronique sur les femmes artistes ce soir et pas sur les femmes muses, parce qu'on parle beaucoup des muses, mais jamais des artistes, parce qu'elles ont eu des passés très compliqués. Et en fait, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, on a la chance de ne pas pouvoir être connue que après notre mort, j'espère. Et que vraiment, voilà, il faut profiter de cette chance qu'on a et inciter un maximum de jeunes filles à se lancer dans l'art, parce que nous... Voilà, je vois qu'en régie, ça lève le poing en l'air, parce qu'on a la chance de vivre dans un milieu où c'est un peu plus simple quand même pour nous. Voilà. Je vois dans les commentaires, elle explose, elle a mis un peu de temps à expliquer, que du coup, ça a eu peur dans le chat. J'ai vécu la même chose. Elle a vraiment... Elle explose, non. On va passer les détails, mais c'est pas loin. Elle est pas explosée, mais c'est voilà. Pas loin. Mais pour répondre juste à Super Joyeux, c'est sur Maillot l'ambiance des terres, je suis désolée, je vous embrasse vraiment. Mais avec ce qui va suivre, on va vite changer l'ambiance. Si je peux vous donner un conseil, si vous êtes carriériste, oubliez les histoires d'amour. Voilà. L'amour, c'est mal. Non, mais c'est aussi la réalité d'une époque. Donc, oui, voilà. C'est clairement important de ne pas oublier, finalement. Cette phrase est très jolie. Ouais. C'est la réalité d'une époque qu'il ne faut pas oublier. Satine conclut ma chronique parfaitement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. C'était très intéressant. C'était vraiment super. Une très bonne idée, je pense, en très bon contexte. Et je pense que ça en a appris à plusieurs personnes dans le chat de ces trois femmes-là. Donc, encore une fois, merci. On va vite changer d'atmosphère malgré tout, parce que là, j'ai envie de pleurer. On va continuer avec... vous l'attendez tous. Enfin, après, moi, peut-être que je suis le seul à l'attendre. Moi, je l'attends. On l'attend J'espère tous. Que vous, à la maison, vous l'attendez. Il arrive, il est là. C'est bien évidemment le petit jeu fun. Oui. Derrière la caméra, j'espère que vous êtes prêts parce que le petit jeu nous a été fait, créé, inventé de ses propres mains par notre fabuleuse Laura. Laura, est-ce que tu penses que tu pourrais nous expliquer le concept de ton petit jeu de ce soir, s'il te plaît? Laura, c'est à toi. Oui. Ah, il faut que tu colles le micro près de ta bouche. Ce soir, on a un jeu assez simple, mais efficace. J'espère. J'ai peur. Vous allez avoir à l'écran des slogans de marques. Alors, ils peuvent être récents ou plus anciens. Disons que c'est des phrases qui ont souvent été associées à cette marque et vous allez devoir retrouver la marque question. Qui correspond au slogan. Oui, voilà, c'est ce que je viens de dire. J'ai une question. C'est à vous. J'ai une question. Est-ce qu'on peut établir le fait qu'on lève la main cette fois-ci? Je vais établir les règles. On lève la main parce que ça va être une question de rapidité, là, non? Alors, ça va être une question de rapidité. Après, on lève la main pour laisser le chat, malgré tout, réfléchir. Ouais. Et si au moment où vous levez la main, j'ai peur, j'ai vu ton regard. J'allais lever la main et dire j'ai pas tout compris. Tu as pas tout compris. En fait, c'est ça. Va être affiché sur la télé que tu as juste en face de toi parce que tu es avec nous au studio. Afficher des slogans. D'accord. La personne qui trouve à quelle marque correspond ce slogan gagne son point. J'ai compris. Nous sommes chacun l'un contre l'autre et le chat joue tous ensemble pour qui représente le point chat et nous verrons qui du chat est plus rapide que nous quatre. Est-ce que c'est clair et est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Et j'ai vu que Space Ren disait en commentaire qu'il était imbattable et que je le savais. Franchement, c'est vrai qu'on a de la concurrence dans le chat ce soir. Courage à nous. Et franchement, attention là. Attention. on va se battre. Je n'ai pas du tout. Non. Moi non plus. Non. Top l'équipe du plateau. L'équipe du plateau. On parle de femmes fortes, comme vous pouvez le voir. Qui sont prêtes pour gagner. Moi, toute honnêteté, ne pariez pas sur moi. Mais on a tout. Ah, c'est bien. Comment on fait maintenant? Eh ben, vous allez gagner dans le chat, super. Vous allez gagner votre poids en. Chocolat. Cornichon. Pourquoi cornichon? Je ne sais pas. Battre. On va se battre. Bah, oui, en plus, je vois, il y a ma maman dans le chat. Bonsoir, maman. Oui, il faut écrire pour nous. Donc, oui, on lève la main. D'accord. Pour laisser au chat le temps de répondre.
par exemple, à ma maman d'écrire la réponse et l'envie de répondre. Tout à fait. Et même pour toutes les autres personnes dans le chat. Vous êtes combien actuellement? Vous êtes 29. Merci de rester avec nous jusqu'à si tard. Parce qu'à chaque fois, on déborde. Mais c'est comme ça, parce que plus on parle, plus on s'amuse. Moins on s'ennuie, plus le temps passe vite. C'est ça l'expression? C'est rien à voir. Oui, bah si, c'est pas une expression, c'est juste un fait. Très bien. Bah, méprisez-moi. C'est pas le temps passe plus vite quand on s'amuse? Ah si, c'est ah, ça. Voilà, merci. Voilà. Vous êtes prêts? Le temps n'importe quoi. Merci. Julien, je veux que tu fasses ce commentaire au micro. S'il te plaît, Julien, on va entendre ta voix. Je veux l'entendre. Je veux qu'il en... Je peux pas refaire des blagues. La prochaine fois, je prendrai le micro, promis. Ah, vous pouvez retrouver le One Man Show de Julien, tous les. C'est vrai? Tous les 12 à Mulhouse. Voilà, très bien. Juste, nous n'aurons ni la douce voix de Julien, ni la douce voix de Laura pour nous lire des slogans. Ah, ben si, fantastique. Choisissez. Qui, entre Laura et Julien, je pense que Julien va s'occuper de la technique. Ah, ils sont en train de faire un chifoumi. Qui a gagné? C'est Laura qui a gagné, donc ça va être Julien qui va nous lire en même temps nos fameux slogans. Sachez que ça me blesse beaucoup que ce soit une corvée pour vous de nous lire les réponses. Super. Et en fait, ils n'ont pas envie de participer. Vous pouvez partir. Non, c'est faux. Alors, ne dis pas ça. Si Julien part, si Julien part, tout est fini. Laura part. Attention, premier slogan. Alors, parce que le monde bouge. Je l'ai. Je peux essayer? Je sais pas du tout. CIC, parce que le monde bouge. Ok. Le monde de la banque, non, je ne connais pas. Bravo. Sérieusement, mais déjà, alors ça a commencé très très mal parce que. Non, mais cette pub vraiment est ancrée dans ma tête, j'entends la voix le dire. C'est mais moi, le je sound design de cette pub me hante. Mais le problème, c'est que je connais les slogans, hein, mais. Là, les associer avec la marque et tout, ça va être terrible. Parce qu'en quand j'ai su quel allait être le jeu cette semaine, j'étais en mode. Facile. Easy. Et après, on m'a dit non. Donc, je suis beaucoup moins confiant. En tout cas, je ne vois pas de réponse. Qu'est-ce qui vous prend? Essayez en tout cas de répondre. On va essayer de continuer à lever la main pour que vous ayez le temps. Sinon, le tout premier point est à Maë. Combien y a-t-il de questions, chers amis, en régie? Laura, tu as créé le jeu. Il y en a 12. 12, comme les 12 doigts. De la main. De la main. Allez. Je propose qu'on déprogramme Rémi ce soir. Après, on me cancelle. Allez. Allez. On ne voit plus rien. Slogan suivant. Je voulais cacher comme ça le chat. Voilà. Comme ça, seul le chat. Tout le monde se lève pour. Ah, mais parce qu'en fait, on n'a plus le. Non. On a même plus le retour. On n'a plus rien à nouveau sur. Mais en fait, c'est parce que comme ça, les d'accord. personnes. Bah, tout le monde se lève ma tablette pour pas pouvoir tricher. Je le tout montre au cas où. Tout le monde se lève très pour. Le chat là. Mais comment? Le chat l'a déjà eu? Attendez. Tout le monde se lève, c'est un truc festif. Pourquoi est-ce qu'on se lève? Pourquoi tu te le. Pensez comme un commercial, pourquoi est-ce que vous vous levez? Comme un commercial. Tout le monde se lève pour manger. C'est des slogans de pub, hein. C'est vraiment pas une manière de penser. Hein. D'accord. Tout le monde se lève pour Nike. Non. Ah, on a travaillé avec Nisek, pourtant je comprends pas ça. Quelle est la réponse? Et c'était pour Danette. Quoi? Ah, tout le monde. Mais qui se lève pour Danette? Mais évidemment. Mais alors, moi, je me lève pour Danette. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Ambre fait. Bah, bien évidemment. Mais Ambre, il peut le dire. Je regarde plus la télé. Mais attendez, ça. Slogan suivant. Okay. Du fruit, de l'eau, de source, du fun. Je veux dire, c'est toi qui l'as levé en premier, mais. C'est Oasis, non? Oh, ouais. Ah, bah, moi, j'ai juste. Alors, vraiment, là, c'est de la déduction. Hein. Oui, moi aussi. Hein. En fait, j'ai fait. Oh, parce que moi aussi, j'ai eu la déduction, mais la déduction m'a juste amené à tous les sodas. C'est un descriptif de la boisson, littéralement, là. J'ai oublié ce qui. Ou alors, j'aurais dit. Est-ce qu'on peut le relire, s'il vous plaît? Genre Volvic fraise, Volvic citron, un truc comme ça. Ouais. De la San Pellegrino. Mais non, moi j'avais vraiment pour le coup, puisqu'on m'a dit c'est pas une manière de réfléchir, c'est de la pub, donc j'applique. Oui, mais là pour le. Bref. Ouais, là c'était le. Mais si c'est possible. Passe le fun autour de toi. Mais comment quoi? Quoi? Le c'est hula-ha? Une pub de hula-hoop. Ouais, le hula-hoop. Attends, passe le fun. C'est pas un. C'est pas un truc que genre ficello ou quelque chose qui se partage. Serait-ce une énigme du père Fouras? Faudra faire ça comme concept. Passe le fun. Oh. L'énigme du père Fouras. Passe. Les énigmes de. Souvent, il y a des jeux de mots dans les slogans. Passe le fun. C'est le passe culture, le passe région. Passe le fun. C'est yop. C'est un bluff. Just dance. C'est une boisson. Une boisson. Énergisante. Passe le fun. Ah, une boisson qu'on est censé se faire. Oh, Coca-Cola, Red Bull. On va tous les faire. Est-ce que dans le chat, il y a des tests de réponse? Orangina. Ils sont pas là dans le chat?
Pas loin. Pepsi. J'ai dit Orangina. Attends, Fanta. Ah. Non mais là au bout d'un moment la régie elle est tellement là, il y a même pas de logique, c'est à dire que vraiment on cite tous les trucs qu'on connaît. Tu vas être deck parce qu'ils l'ont eu vraiment genre 2 secondes avant toi. J'ai, tu vois, j'étais en train de te marquer un point, je vais devoir te l'effacer, je n'ai pas de blanco. C'est dramatique. Je vais le regarder. C'est vrai que Rémi s'applique beaucoup, sachez, pour l'esthétique des points quand il les note. Mais c'est faux. Mais non, tu ne l'auras pas. Tu avais qu'à être plus rapide que toi. Enfin, en même temps, là, on fait des listes, quoi. c'est même pas qu'on est, on est, c'est même pas qu'on a une bonne déduction. C'est qu'on cite tous les mots qu'on connaît jusqu'à trouver. Ah, mais moi, j'ai décidé de présenter une épaule. Attention, les amis, je reprends la main. Ça va être très, très rapide. La patte de l'expert. Vous lever la main. Feu vert. Ah oui. Mais Ambre, elle dit ah oui à chaque fois. Ambre ne joue pas. Putain, c'est le premier jeu où j'ai l'impression de. Ambre vraiment au subit. C'est le jeu du démon. D'accord. C'est dit, mais ils s'en sortent. C'est le premier fois, genre. C'est la première fois. J'espère que le chat a les boules, que Maïs est trop forte. Je suis trop forte. Waouh, merci Rémi. Je t'en prie. Slogan suivant. Ne pariez jamais que vous n'en mangerez pas. Quoi? Attends. Alors par contre. Non, j'en ai qu'un. C'est pas un truc genre Oreo ou un truc comme ça? Mais je n'ai même pas eu la phrase. Ne pariez jamais que vous n'en mangerez qu'un. Qu'un? Attends, c'est pas les granolas? C'est vrai? Waouh. J'ai fait 98% du travail. Mais tu savais, Rémi, ou c'était C'est parce qu'elle a dit Oreo. Elle a dit un autre gâteau, t'as fait aller. Faut pas le dire. Je demande la moitié du point. Ok. La tasse avait du slogan suivant. Et ça repart. Et ça revient. Et ça repart. Et ça repart. Et ça repart. Attends, c'est ça. Ah, je sais. Et vous l'avez. Ça rime en art, non? C'est un Mars et ça repart. Putain. Donc c'est le chat? Effectivement, bravo le chat. C'est intéressant. Je crois qu'ils l'ont pris comme un défi personnel. Le fait qu'on sachez qu'actuellement, il y a égalité pour Maï et le chat. Ils sont tous les deux à 3 points et je n'ai qu'un point. Et Satine et moi, on est à égalité aussi. Vous êtes à égalité, vous avez 0. Parfait. Décidément, ce soir, on va. Slogan suivant. Oui. Un jingle, c'est génial. What did you expect? Ah, mais pourquoi j'ai cliqué dans le micro? Si, j'ai. Oh. Laissez, on va répondre. Non, moi, j'ai. Il faut que les arbitres soient objectifs. C'est les Schweppes. Oh. Mais quelle objectivité? Elle a. Pardon. Non, mais oui. Imaginez, je me trompais là. Ça aurait été très nul. Oui. Ah mon dieu. Nescafé, non, c'est bon. Est-ce que tu peux le refaire en chantant, Julien? J'adore ta voix. Oui. Ouais. Slogan suivant, vas-y. Pourquoi tu le demandes? C'est pas du tout pareil. Slogan suivant. Merci. Waouh. Et être un enfant, c'est du sport. Ah. Non. Oh, Ficello. Oh. Attends, j'allais dire un ribot, mais non. Moi, j'aurais dit Peach. Ah. C'est ça. À chaque fois, je suis pas content, je jette un stylo. C'est le chat qui l'avait en premier. Pourquoi c'est le chat. Pourquoi tu quittes la team des zéros? Triste. Bien joué les frères. slogan suivant. Et vos projets vont plus loin. Saut des beaux. Et vos projets, c'est notre banque. Oui, bien sûr, un sandwich. Mais non, mais c'est forcément une banque. BNP Paribas. Ou une assurance. Non. Non. Allez, on va toutes les citer. Crédit mutuel. Caisse d'épargne. C'est pas une banque. J'ai l'impression que c'est pas une banque. C'est une assurance. Mais qu'est-ce qui amène les projets plus loin si ce n'est une banque? C'est pas une assurance. Je me le demande bien. Une assurance. Ah, une assurance peut-être. Ouais. Non, j'ai dit, ils ont dit non. Les granoles. Pardon. Le running gag nul. Mais et vos projets vont plus quoi? Est-ce que c'est une boisson? Est-ce que vous êtes sûr du slogan? C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un descriptif de l'objet? Laura reprend le mic. Là, vous allez avoir un gros indice, c'est dans le domaine du bricolage. Et c'est quoi la phrase? Brico dépôt. Non, vraiment. C'est quoi la phrase? Mano mano. Et vos projets vont plus loin. Non, non, non. Et vos projets mano mano. Casto. Non. Ah, bah ils ont dit Bricorama, sinon. Je fais ce que je peux. Le chef n'a pas non plus. Jardiland, au bout. Et à Jardiland, et vos projets vont plus loin. Si, Jérémy, là. Bon, Jérémy, le Jérémy qui est tout le temps dans le chat et qui nous cause que des ennuis. Celui-là, très bien. Il l'a. Donc ça fait 5 points pour le chat là. Mais on pourrait avoir la réponse. C'était quoi la réponse? Le roi Merlin. Évidemment. Là, rime paraît tout de suite beaucoup plus logique. Mais en plus, avec Jardiland. Enfin, je sais pas pour vous. On est quoi? Mais franchement, maintenant qu'on me le dit. Non, mais moi je pense que c'est Jardiland qui fait avancer nos projets. J'hésite à chaque seconde à jeter de nouveaux stylos. Ok.
Slogan suivant. Ah, il a chanté. Le fromage des gastronomes est culotte courte. Mais c'est pas un slogan, ça, Julien. Est-ce que c'est le fromage des gastronomes en culotte courte? Tu peux tenter un truc. C'est président, non? C'est camembert? Non, c'est pas ça. Oula, non. Mais c'est pas un slogan. Quoi? Attends, quoi? Ça parle de culotte. Moi, je suis perdu. Mais non, mais j'ai pas compris la phrase. La culotte, c'est un pantalon que portaient les nobles, en fait. La non, culture. Encore toutes les semaines, c'est Rémi qui essaie de comprendre la consigne. Qu'est-ce d'abord de comprendre le. Alors sur celle-là, en fait, c'est l'ancien slogan, le plus ancien. Ah, le plus ancien. Ah. Le plus ancien. Déjà, c'est. Trop, allez, on part sur tous les fromages possibles. Emmental, Kiri. Emmental. Kiri. C'était le Kiri. Le Kiri. D'accord. Mais c'est pas une vache. Mais non, mais c'est la vache Kiri. Pas la vache Kiri. Kiri, la marque. Kiri et Kiri. Et la vache Kiri. Je mange pas beaucoup de fromage. Ouais. Je mange pas beaucoup de culture aussi. Non, bah, là, je m'en vais en fait du plateau, c'est terminé. Je t'envoie un bisou. Oh. On est gênant. Le slogan suivant. Oui. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. Mais pourquoi? Les règles ne sont pas respectées. Ambre est en roue libre. Qu'il a eu. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Ambre, mais parce qu'elle j'ai levé la main en premier. Mais moi aussi. Mais ça allait dans la continuité. Fallait non. pas bloquer. Non, calmez-vous, on a dit zéro tracas. Alors ah, je comprends ce que tu as. J'ai bien aimé la continuité, donc le point va à Ambre, s'il vous plaît. Non, mais pardon. Attends, mais quand on respecte pas. Julien, quand c'est fini, tu es viré. J'ai. Alors, c'était le dernier point. Wow. Je sais pas pourquoi j'ai cette info. Okay. Non, mais ça m'a bien plu. Est-ce que dans le chat, ils en ont pas d'autres des slogans? Allez, envoyez vos meilleurs slogans. Si vous en avez dans le chat, balancez-nous. N'hésitez pas. On attend une petite seconde. Il faut qu'on comble. Non, allez. Non. Venez, on fait une vague. Non, on arrête le bac nul. Allez, stop, ça suffit. Oh, c'est trop bien. C'est pas ce que vous croyez. J'ai cassé ton... Mon carnet. Mais non, il va très bien. Mon carnet. Il va vous assistez à un drame en direct. Oh. Est-ce allez, que stop. Le chat on a des intéressants on ou a pas des croustillants parce que il faut savoir que le dernier jeu qu'il y a eu le but était de deviner à travers des versions synonymes des titres de films d'animation et tout quelqu'un dans le chat nul autre que mon papa compagnie de ma maman avait trouvé le synonyme qui était Dieu Servidé et qui au final amenait au dessin animé Aladdin. Et c'était tout simplement une épreuve, on n'est pas dans Koh-Lanta. C'était tout simplement une question qui n'était pas du tout prévue à la base et que le chat a rajouté. Donc si vous en avez des petits slogans à tout moment, ça peut être très sympa, envoyez-les nous. Est-ce qu'ils en ont un du coup? Je vois que ça cherche actuellement en régie. Un doigt coupe fin. Articule. Un doigt coupe fin. Faut un pas... doigt coupe fin. Mais ce n'est pas une phrase. Ah, les fingers. Les gâteaux finger. Les fingers. Un doigt coupe. Ça, attends, il y avait un minimum de mais recherche. Mais quel est le sens? Je suis perdue. Qui un regarde doigt, la télé en 2022 pour répondre, s'il vous plaît? Un doigt coupe. Mais... Est-ce qu'on parle d'un vrai doigt? Mais attendez, est-ce qu'on pourrait avoir l'écriture? Parce que c'est pas pareil. Un doigt. Ah, un coupe fin comme ça. C'est encore mon pas. Comme la fin. Un doigt coupe fin. Un doigt. Vous avez vérifié que sa réponse, c'est pas n'importe quoi? Parce que je fais pas confiance à mon papa. Un doigt coupe fin. Reader. Moi, je l'ai personnellement. Mais est-ce qu'un doigt signifie vraiment le mot doigt dans la c'est phrase? Reader. C'est Reader. C'est oui. Mais c'est pas Servidé. Ah, par contre, j'ai celui de Jérémy Mart. Remplace. Donnez pas la réponse dans le chat, sinon ils vont par Carglass remplace. Voilà, on merci. L'a ici, Maï. Merci, Maï, pour avoir posé ta propre question. Pour avoir... Mais non, c'est Jérémy qui l'a fait. Oui, mais est-ce que la régie avait décidé qu'on devait la jouer là? Parce que la régie décide tout maintenant, c'est comme ça. C'est pas toi le maître sur le plateau, là, bizarrement, tu n'as plus aucune autorité. C'est eux qui contrôlent le Sierra Live ou non, hein, donc bon. C'est la guerre. Et ben je prends les commandes du live. La langue au chat ou. Bah la langue au chat, oui. Bah, la langue au chat. Mais il n'y a pas. C'était Twix. Twix. Quoi? Ah. Un doigt. Mais c'est Raider, il y a marqué. Mais c'est quoi Raider? C'est Raider. C'est quoi Raider? C'est quoi c'est j'ai cherché, je sais pas. Cultivé. Il faut. Attends, mais quoi? Deux secondes, j'essaie de communiquer. Calme. Non, j'ai cherché sur le internet Wiki. Et on m'a bien montré Twix. C'est Lucien. Donc c'est Raider. Mais je ne comprends plus rien. De quoi parle-t-il? Oh mon dieu. Parce que Jérémy avait fait aussi. C'est quoi ces mots? Juste pour ça, le chat mérite. Ah, Raider, c'est l'ancien nom de Twix. De Twix, ouais. C'est pas vrai. Ah, d'accord. Donc Julien, techniquement, tu l'avais. Il y a une proposition, c'est pour faire durer le plaisir.
pour faire durer le plaisir. C'est dingue, mais merci en tout cas de cette information. Nous ne savons pas que Twix avant s'appelait Raider. R-A-I-D. C'est le choc des générations. Wow. Merci Laura. Inspired by you. Inspired. Mais l'écriture peut aider. Alors je ne vois pas parce que ma vision ne me permet pas de constater les détails. Donc sur le E, il s'agit d'un accent, d'un tréma. Alors il y a Miamia 17 qui met pour faire sur durer le plaisir. Sur le Inspired by you de Space Ren. Et il y a ouais. Au final, moi j'ai l'impression que le manque de connaissances du chat leur va faire perdre moins 8000 points. Attends, au moins. Et nous avons gagné. Inspired by you, quand même, on peut le trouver celui-là. Inspired by c'est le dernier. Inspired, je vais pas le dire avec l'accent. Inspired by you. J'sais Qu'est-ce pas. Que ça pourrait être? Quel est l'accent sur le E? C'est quoi? Je vois pas bien. C'est en vrai, c'est un tréma. Est-ce que vous pouvez essayer d'avoir la réponse en régie pour qu'on nous indique? Inspired parce que là. Et l'écriture peut aider apparemment. C'est pour ça que. Qu'est-ce qui pourrait être inspiré par nous? Nous qui. C'est pas un parfum. Oh. Connaissant la personne qui a posé la question, il y a possibilité sûrement un rapport avec les voitures. Ah. Mais je ne saurais dire. Oui. Cela a un rapport avec l'automobile. Alors, est-ce que c'est une Ferrari? Presque. Quoi? Mais quand ça presque Ferrari? Presque une Ferrari. Ah, ça veut dire quoi ça? C'est une blague. Ouais, c'est sûr, en plus d'être très bricoleur, je m'y connais vachement en voiture. C'est une F1. Oh, presque. Mais arrête de te. Non, mais c'est bon, je vais arrêter de jouer. Au bout d'un moment, dites-nous. Non, mais là, oui. C'était une Citroën. Waouh! Ah oui. C'est presque une Ferrari! Mais c'est vrai, l'écriture peut aider, c'est vrai, c'est logique, parce que par rapport aux deux points sur Citroën. Oui. Ah. Eh bien, cette émission se finit sur encore une fois une déception. Qui a gagné? Le chat. Mais évidemment. Bien évidemment, le chat nous a détruit comme. De combien fois. Quand même, ça m'intéresse, je sais pas. Exactement, je crois qu'ils ont 5 voire 6 points. Et nous, moi j'en ai zéro, mais... tu en as zéro. Je me considère en équipe un peu. Tu en as zéro, j'en ai un, Ambre en a deux, qui est le deuxième, wow. Tu ne le mérites pas avec MMA. On l'a oui, levé tu as triché, tu as triché totalement. Mae en a trois et le chat en a tout simplement... enfin, on a 5, donc ils nous ont clairement défoncé. Très très bien, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Bravo au chat, vous gagnez rien, parce qu'on n'a pas de budget. Mais merci beaucoup. Eh bien, il va falloir que l'émission va s'achever. Je vais devoir finir cette émission. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi ce soir. Merci beaucoup, Angie. J'ai passé une très très bonne émission. J'espère que vous aussi. Mais nous aussi. Ouais. Et la team était enfin réunie. Moi, je trouve la que la team ça était enfin réunie. Oui. Est-ce qu'on donne notre nom de team aux gens? Alors, c'est pas nous qui avons trouvé le nom. Donc, je me dédouane, en fait. Nous sommes la Dream Team. C'est faux. Si, c'est comme ça que nous appelle l'administration. Parce qu'on les a gavés pour qu'ils nous appellent comme ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. On a passé une super émission. J'espère que vous aussi. Ne manquez pas nos prochains épisodes tous les mercredis, je l'insiste, de 18h30 à 20h et plus. Parce qu'à chaque fois, maintenant, on dépasse parce qu'on ne s'en peut plus s'empêcher de parler. Merci beaucoup. Pour savoir aussi, encore de grands merci à l'équipe de stagiaires de l'année dernière. Encore une fois, sans eux, tout ça ne serait pas possible. Merci à notre formateur Emmanuel Pinto. Merci à notre directrice Cécile César-Blanchet. Merci notre école de pouvoir permettre ces missions d'exister. Pour leur petite pub, il faut savoir qui sont le campus de Lyon de l'école Yardsup est en JPO le 26 mars prochain qui arrive de 10h à 13h. Donc venez nous voir. En plus, vous pourrez voir une partie de l'équipe du studio, principalement moi qui est là. Samedi prochain, nous ne savons pas. Samedi prochain. Ouais, personne du coup samedi prochain. Moi je sais que je suis. Pas samedi prochain, le 26 mars pour la JPO. Je sais que je serai présent. En tout cas, vous pourrez voir certaines personnes de l'émission. Vous pourrez voir le studio en vrai. Et puis ça vous permettra d'échanger avec les différents étudiants, profs si vous voulez éventuellement venir dans une école en art. Et puis merci beaucoup, c'était Studio. On leur fait coucou. Oui. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.